Eh ben bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour notre soirée roleplay du dimanche soir. On est ensemble de 21h à minuit pour du The Witcher 2, Assassins of Kings. Heureusement que nous sommes par voix parce que sinon on aurait la tête qui tomberait. Enhanced Edition, voilà, on est que le temps. On va poursuivre notre partie. Est-ce que j'ai branché la manette? Maman en lunettes? Maman manette? Et voilà. Eh bien coucou à ceux qui sont là, alors hop, bim, je regarde vite fait. Ben, coucou Vanessa, coucou Scran, coucou Indwell, coucou Azels. Eh bien j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end également, hein. On est reparti pour une nouvelle semaine ensemble. Ah, en commençant par du roleplay sur The Witcher 2 Assassins of Kings. Ah, on aura une semaine et il y aura du nouveau au mois de mars, hein, c'est normal, hein. Chaque mois a son lot de nouveautés. Et je vous ai dit que d'ici le mois d'avril, ça va changer au niveau des lives, ça va diminuer, hein, ça va diminuer, ça va surtout changer, modifier, ça va... Il y a beaucoup de choses qui vont changer, hein. Ça va être la deuxième grande modification, la première c'était le jour où je me suis spécialisé dans la stratégie. Et là, il y aura de nouveau du neuf qui va arriver au mois d'avril. La santé revenant, évidemment, ma manière de live sera également différente. Enfin, ma manière de live. Le rythme et la gestion de ma communauté sera également différente. C'est ça que je veux dire par là. Bon, ah bien, coucou à tous. Oh, une femelle à l'arc. Gérez vos miches, les gars. Oui. Voilà, voilà, merci. Est-ce que tu dis ça pour Vanessa, Abbé, ou... Là, tu joues au cadre, donc pas femelle à l'arc, lol, dit Vanessa. Ah, vous jouez à... Comment que ça s'appelle? Primal machin, là. Comment ça s'appelle, ce truc? Far Cry, hein, Primal truc. Ah, c'est beau. Alors, Wunga Wunga, du coup, je vais vous parler en mode primaire. Bon, alors, charger une partie. On s'est amusé la semaine dernière à affronter le Kéran. On avait dégommé le Kéran, on avait également affronté... Ah, notre joyeuse Triss Merigold. On avait affronté le Minou. Bref. Et on avait entamé une confrontation face à l'assassin des rois. Et ce charmant Leto, pour le trouver, il faut passer par la Scoia'tael. Donc on a passé par la Scoia'tael pour affronter ce charmant... Ah, j'ai peut-être chargé un petit peu trop tôt. Et comme il faut passer par la Scoia'tael pour affronter ce charmant Leto, eh bien, il faut voir le chef de la Scoia'tael. Le voici. Beau spectacle, Gwynplaine. Ça en valait la peine. Un combat inégal et une mort certaine t'attendent de toute façon. Je peux retourner la question. Tu veux quoi, Vatgern? Fais vite avant que je ne vous tue. Alors, on va négocier pour essayer de trouver notre fameux petit pimpin des bois. Est-ce que le son n'est pas trop fort? Est-ce que ça va? Le son n'est pas trop fort? Le son du jeu est assez fort par rapport à la voix? Leto contrôle le tuer. Voilà. Leto t'a trahi. Il a voulu s'arranger avec ton camarade, Kiran. Kiran Epesnilen est mort. Ah non. Il est tombé dans une embuscade avec ses hommes il y a 2 semaines. 5 sur 5. Okay. Apprends à mentir, Gwynplaine. Il est sur la barge, blessé, mais en vie. Il s'est opposé à Leto, et son unité en a payé le prix. Si tu dis vrai, Leto doit mourir. Mais les mots ne suffisent pas. Tiens, les doubleurs français de Green Arrow dans Smallville, hein? T'as reconnu les doubleurs français de Green Arrow dans Smallville? Ah tiens, je ne savais pas. Il n'y a pas beaucoup de voix-off que je connais par cœur, il y a Philippe Catoir, qui a quelques doubleurs français que j'adore particulièrement. Hein. Philippe Catoir, c'est celui qui a doublé le commandant Adama dans la série Battlestar Galactica, en dehors de la pré-série, enfin de la série qui lançait la saison 0. Enfin, j'appelle ça la saison 0, c'est plutôt l'épisode 1 de la série. La mini-série, voilà qu'on appelle ça. Et quelques autres que je connais plus ou moins, la voix d'Ariel Lessive, qui est connue aussi parce qu'elle a fait la voix des personnages de Desperate Housewives. Quelques voix francophones qu'on connaît comme ça, mais je ne me connais pas beaucoup en doublage français. Que comptes-tu faire de Leto? Pourquoi te bats-tu exactement, tiens? Quelles sont tes motivations? Tu ne comprendrais pas. Te cacher dans la forêt, tuer, ramasser du bois, manger des racines? Nous suivons nos règles et faisons le nécessaire pour atteindre notre but. Ah bah ça te voit pas trop, hein. Quel est ce but? Tu as tout perdu, non? Quel est ce but? On va pas le vexer tout de suite. Quel est ton but? Qu'est-ce que ça peut te faire? Essaie de Vatgern. Tu me dirais de me le mettre profond. Ah oui, ça je te le fais pas dire. Sort. Ma vie dépend de ton bon vouloir et je suis curieux. Écoute bien. Ça frise. Les deux rois assassinés étaient de sales putiers prêts à tuer leurs propres enfants pour rester au pouvoir. Mais à l'est, vit une personne qui vraiment mérite une couronne. Alors, ton tueur s'est avéré être un traître. C'est sa parole contre la tienne.
Pour l'instant. Pourquoi lui faire confiance? Pour la sale besogne qu'il fait ici? Il a fait ce qui devait être fait. Et il a prouvé que personne n'est intouchable. Des noms d'humains vivent à Flotsam, je pense qu'il est au courant quand même. Tu attaques et assassines les habitants de Flotsam en oubliant qu'elfes et nains vivent parmi eux. Ce n'est pas une vie. Ils sont dénués d'estime, obligés de vivre selon les lois humaines. Ce sont plus des douanes que toi, Geralt. Quand est-ce qu'ils feront ainsi de Dupa F5 tous les 5 minutes, nous disent Kran, ah bah ça. Non, il est plus pratique que tu dis. Très sincèrement, pour un streamer, il est beaucoup plus pratique. Le panel, les outils qui sont mis à disposition sont vachement plus pratiques. Par exemple, ici, je peux ban IP. C'est-à-dire que si jamais un idiot s'amuse à faire le neuneu, il pourra pas recréer un compte pour venir nous emmerder. C'est un outil de modération intéressant. Au niveau... attends, par contre, parce que s'il y a besoin de modération, il me faut... Alors, touc-touc-touc-touc-touc. Bim, voilà. Voilà, Azel, c'est mon modo. Et puis au niveau de l'écran de contrôle, il est vraiment plus pratique. Hein. On peut rendre la chaîne visible, invisible. On peut interdire les profils des abonnés qui sont mineurs, par exemple. Là, c'est ce que j'ai fait. Les mineurs ne peuvent pas me regarder. Dans ceux qui signent sur Twitch, mais qui sont mineurs, malheureusement, ils ne pourront pas intervenir sur le chat. Mais il y a tout le monde. Il est pas mal pratique à bien des égards. Azel, utilise éclair. Voilà. Le Thunder Azels. Thunder Azels. Ça sera tout le monde catcheur. Que comptes-tu faire de Luton? Tu crois encore cet assassin? Tu mens peut-être. Si je mens, Kiran aussi. Nous vérifierons pour lui. Nous verrons la réaction de Leto à cette nouvelle. Où est-il? J'ai une idée. Mais elle est déplacée. Aux ruines de Kelmewed. Bizarrement, il aime cet endroit. Mon unité nous couvrira. Prêt? Quelle délicate attention. Pourquoi tu es Foltest? Tiens, bonne pourquoi question. Pourquoi avoir tué Foltest? Il semblait charmant. Mais en fait, il a laissé les races anciennes de Temeria se faire opprimer. Un douane comme les autres. Mais dont la mort a son importance. D'accord, oui, donc en gros, vive la mort des rois, quoi. Bon, ben je dois me préparer. On va je pas faire t'y retrouve. J'ai 2-3 choses à faire. Va faire, Gwynbled. N'essaie pas de me doubler. Va fail. Ah ben ça, ça sera pas compliqué. Bon, alors on va se préparer. Et ensemble, on repart ensemble. C'est ça, Zoltan. Non, Zoltan. Ta présence va éveiller les soupçons. Oui. Comme tu veux. Mais ne va pas te faire tuer. Non. Je me ferai pas tuer, mais je te promets rien. Faut pas déconner non plus. Hein. Bon, alors, pour se préparer, il nous faut... Tiens, on va piller la zone. Du coup, la créature, on n'aura pas l'occasion de la piller parce qu'elle n'existe plus. Un truc intéressant. Ah, de la verveine, hein. Oui, super intéressant. La verveine, la richesse de ce monde. Qu'est-ce que tu me fais? Un chargement de map, bien sûr. La verveine, toujours. Verveine citron. La brionne. Ok, la créature n'est plus là. On n'aura jamais eu le temps de la piller. C'est triste. C'est ballot. Tant pis, tant pis. Bon, on va se préparer. Aller à la rencontre de Yorvette. Ah ben, allons rencontrer ce cher Yorvette. Juste avant d'aller le rencontrer. C'est où? Ah, c'est pas le bon coin déjà là. Donc là, ce soir, on va mettre fin à l'acte 1. On va rencontrer le tueur de roi. On va tâcher de le capturer en espérant qu'on y arrive. Quoi? Ah, ça se prend. Et si on y arrive, on aura la joie et l'intense plaisir de finir l'acte 1. Enfin, ceux qui connaissent déjà The Witcher 2 savent ce qui va en advenir de l'assassin de roi. La carte, monsieur. Oui, la carte. Alors, c'est... Ah oui, d'accord, c'est là-bas. Mais là, pourquoi? On va pas s'embêter, hein. On a une partie à charger, on va la charger. On va mourir en boucle contre le tueur de roi comme la semaine dernière? Oui, c'est possible. C'est quoi ce bordel sur Twitch, là, de mon nuts? Ah ben là, il y a pas mal de bêtises, pas mal de...
Là, sur toutes-les-pannes.fr, un excellent site que je vous recommande hein, pour connaître les pannes des sites, il y a un nombre de rapports d'erreurs considérable. Il y a eu près de 300 rapports d'erreurs sur Twitch. Bon. ImenNut, comment tu vas? Alors tiens, on va chercher celle-là, à 3h47. C'est aujourd'hui. Sauvegarde auto, 21. Hop là. C'est juste pour se faire le dialogue. Là, ce qui me chagrine, c'est que la créature, on pouvait pas la replier. Donc là, on s'est arrêté juste avant d'aller voir notre fameux ami, le chef de la Scoia'tael. Alors, on va se mettre des petits sorts de tous les côtés. Oui, non, c'est pas ce que je voulais faire. Méditation. Alors, dis-moi tout. Alchimie, potion. Un chat, hirondelle, ben on va prendre un coup d'hirondelle. Mangouste, on m'offre une excellente. Oui, on s'en fout. Vano, vitalité moins 30. Non, on va éviter. Hein. On va prendre ça, c'est déjà pas mal. Pouk. Ça fait le même bruit quand on s'occupe de mes fesses. Alors. Ensuite, alchimie, non, plutôt dans l'inventaire. Bim, on a 10 minutes devant nous. Alors, inventaire, des huiles. Silence, marot, dit notre coquinou. Alors, qu'est-ce que je peux avoir là-dedans? Schéma. On m'en fout des schémas, moi. N'est pas schéma qui veut. Armure d'Arrakas. Ingrédient alchimique, composant artisanal. Tiens, ça pourrait être intéressant de faire une armure, ça. Balis. Attendez, c'est pas ça que je veux, moi. C'est les ingrédients, les potions, les huiles, toutes les choses qui nous permettent de faire des choses sales avec notre corps. C'est pas par là. Bon, on va prendre l'inventaire général. De l'huile. J'aurais bien aimé avoir une huile à mettre sur mes épées pour aiguiser mes épées. Mettre de l'huile qui provoque du saignement contre cet obscur pimpin des bois qu'on va affronter. Ce genre de joyeuseté, quoi. Hein, touc touc touc, formule de freux, chat, vano. Rune du soleil, rune de feu, oui, c'est ça. Huile contre insectoïdes et charognards. Non, c'est pas un insecte qu'on va affronter. Huile brune. Augmente le saignement. Ah, voilà une bonne chose. Sur l'épée en acier. Oui, voilà. Sandfalka, augmente les dégâts maximum à l'épée. On peut cumuler les deux? J'ai un doute. Bon, c'est déjà pas mal. Oh quoi, allez, hop, ouais, on va s'emmerder. On le met quand même. Allez, bisous. Allez, Permina. Courage. 100. Sandfalka. Hop, vas-y, on en met un coup. Après l'épée en acier, bisous. Oui, des huiles, car on aime les corps virils huilés avec des beaux pectoraux. Azels, hein. Je savais pas que c'était de ce bord-là. Youhou, Azels. Partie de sauvegarder, magnifique. Tiens, on va sauvegarder ici, ça sera plus parlant pour moi, hein, si jamais je me fail. Vas-y, grimpe. Grimpe au plafond, coquine. Pêche-toi parce que c'est... Ah oh, bah, super. Il nous faut un stratagème. Dis à Leto que tu m'as eu et que tu vas me livrer à lui. Et toi? Sans armes, les poings liés. Si tu ne mens pas, sa réaction confirmera tes dires. Ah oui. Bien sûr, je ne te fais pas confiance. Mes hommes seront là. Fais quoi que ce soit et... J'ai bien compris. Et quick. Je ne crois pas. Fais quoi que ce soit de stupide, et mes hommes t'attacheront à une fourmilière après t'avoir couvert de miel. Même les dieux t'entendront crier. Ah, c'est sexy ça. Oui, merci. Tu es toujours aussi grandiloquent? On pourrait aussi inciter Leto à avouer. Conquérir par le courage et non par la force. Oui, applaudis. C'est ça. Allons-y. Oui, bien sûr, oui. Si Leto m'a trahi, c'est un homme mort. Ta gueule, avance. La durée de la potion est en train de défiler. Oui, en fin de compte, ici, c'est bien, mais... moins de view. Oh, je m'en tamponne, les amygdales, d'avoir moins de view. Je ne considère pas que j'ai de communauté. Donc à partir de là, on n'est pas inquiet d'avoir beaucoup ou pas de vues. Geralt de Rive. Qu'est-ce que ça signifie? Je viens pour négocier. Le renard des bois, enfin arrêté. Je t'avais sous-estimé. Ah, coquinou. La potion, ça défile pas là, hein. Non, c'est bon. Qui es-tu? Non, attends, deux secondes. Qu'as-tu à voir avec Urvet? Je me demandais ce qu'un humain faisait chez les Scoia'tael. Pour savoir si on les gorge ou pas. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, pas vrai?
D'accord. Les Scoia'tael sont mes frères de vengeance. Vengeance ? Fini de blaguer. Laisse-moi. Ouais, oui, ouais. Il fait partie des gens qui croient que la fin justifie les moyens, hein. C'est pas du tout ce que... Ouais. J'ai parlé à Shiran, oui tiens. Kiran Epes Nilen m'a dit que tu voulais tuer Yorvet. Et quand bien même, pourquoi tu m'aiderais ? Blood et douane. C'est justement le bon moyen de s'en faire plus ici, nous dit Abelia. Oui, vous raisonnez beaucoup chiffres, j'aime pas spécialement ça. Pour qui travailles-tu ? Pourquoi tu es des rois ? Qui es-tu ? Tant de questions. Pour qui tu travailles ? Pourquoi tu es des rois ? Qui est... Vous prenez le stream vachement sérieux, je trouve. Pour qui tu travailles ? Pour qui tu es des rois ? Qui es-tu ? Ça roule à plus, ça note ça. On fait pas ça pour le nombre de views, hein. Puis comme Roro l'a prouvé, les vrais fidèles l'ont suivi quand il a changé de plateforme. Tout à fait vrai, tout à fait vrai. Et je sais, bon, pour savoir ce qui se trame par devers moi, je sais très bien que je n'ai pas de communauté. Pour qui tu travailles, tu es des rois, qui es-tu? Je reste en GV, ça marche, Nuts. Si c'est aussi, j'y vais aussi. Non, ça c'est émotion. Pour qui tu travailles? Pour qui tu travailles? Dans le vif du sujet. Dis-moi pour qui tu travailles, et l'elfe est à toi. Nous travaillons seuls. Nous? Les tueurs de rois. Ouais, enfin pourquoi tu es des rois? Des Mavend, Foltest, qui d'autre, bordel? Qui es-tu? On s'est déjà vu, Geralt. Tu ne te rappelles pas? Non. Moi si. Tu m'as sauvé la vie, loup blanc. Ah bon? Nous combattions côte à côte. Ah, pas du. Aujourd'hui, face à face. Ou face à face. Enfin, ça ne serait pas nécessaire si je tuais Yorvet. Serit et Aux se noieront dans leur propre sang. Ouais, je ne crois pas. Mes hommes en auront terminé bien avant que les Scoia'tael de la vallée du Pontar s'aperçoivent de ta mort. C'est Ballo. Oh, c'est quoi ce muscle? Qu'est-ce que c'est que ce bras? Mais c'est le cousin à Schwarzenegger ou quoi, lui? Qui sont Serit et Aux? Qu'as-tu à voir avec Yorvet? On l'a déjà posé la question, du coup on paraîtra pour Régis, on va pas le provoquer maintenant. Serit et Aux? Qui sont-ils? Des tueurs de rois aidés par les Scoia'tael dans la vallée du Pontar, en Ouidirne. Eh ben dis donc, nul besoin de se battre, dégaine ton épée, qu'as-tu à voir avec Yorvet? Tu comparaîtras pour Régis. J'ai retiré le papier, voilà, ce serait sympa. Boire un petit coup. On va lui dire qu'il comparaîtra pour Régis. Hein, histoire de le provoquer un petit peu. Tu as tué Foltest, tu devras répondre de ça. Tu es le seul à avoir vu ce qui s'est passé. Tu seras donc le seul à répondre. Salaud. Ah, c'est vrai ça, Abel. C'est tout à fait vrai, Abel. Alors, qu'as-tu avec Yorvet? On leur pose la question deux fois, non? Je me demandais ce qu'un humain faisait chez les Scoia'tael. On va voir ce qu'il va répondre. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, pas vrai? Les Scoia'tael sont mes frères de vengeance. Du coup, il y a un petit choix à faire. Je vous laissais choisir. Est-ce qu'on dégaine notre épée? Ou est-ce qu'on lui dit que qu'il n'y a nul besoin de se battre? À vous de choisir. Nul besoin de se battre? Ou dégaine ton épée? Bon, le choix sera vite fait. On est combien? 1, 2, 3, 4. On est 4. Ils ont un peu la mémoire de poisson rouge amnésique. Ouais, c'est ça. Tu leur poses une question et ils te répondent. Et tu leur reposes la question et ils te répondent pareil, avec la même expression et tout. C'est magnifique. La paix du Christ, nous dit Abbé. J'ai ajouté le Christ. Hein. Nul besoin de se battre, nous dit Azels. C'est vrai qu'on n'a jamais testé. Ouais, même en jouant au jeu, je n'ai jamais testé nul besoin de se battre. Moi qui suis diplomate habituellement. Je suis pas très habitué à jouer à la force. Hein. Alors, quand on voit IRL, on comprend pourquoi. Bon, bah du coup, nul besoin de se battre. Ce n'est pas nécessaire de faire couler le sang. Dis-moi tout. Fini la plaisanterie. Vedrai, aide-les! À quel jeu jouez-vous? Celui de ta perte. Ah! Oh, Blood Scoia'tael! Oh! Les Ténériens! Ah, c'est radical. Mon épée, vite! On va aider des roches. Tais-toi, tais-toi, Josiane. Tu veux faire quoi, tueur de roi? Bon, bah, le résultat est même. Je vais te tuer. Je ne suis pourtant pas un roi. Quel honneur.
Ah non, non, pas faire comme Triss, hein. Ah non, non, je fais pas d'amour, hein. Dommage que nous soyons ennemis. Ah non, j'avais dit la peine et manifestement... Oh la vache. Ah, on avait dit la paix, mais malgré tout, bon ben... Je vois que tu sais toujours te battre. Ça revient au même, hein, qu'on choisisse la paix ou pas, manifestement. Alors. Pourquoi me drapes-tu ainsi? Il croit que j'ai tué Volnest. Est-ce qu'on a choisi la bonne épée? Bah, t'es cinglé ou quoi, toi? Ah oui, je me souviens de ça, hein. Aïe. Oh oh. Oui, c'est ça, oui, tiens, reste là-bas. Enculé. Merde! Il a revu tout son petit costume de. D'obscur gourgandin des bois. Pourquoi t'en prendre à des rois? Je ne suis plus sorceleur. C'est l'histoire ancienne. Ah bon? Donc tu es devenu bandit? Félicitations. Casse-toi, Rama! Ben voilà, à chaque fois je m'y prends trop tard. Et voilà ce que ça donne, la barre de vie qui baisse. Merde! Ah, j'ai fait le con là. Malgré la potion d'hirondelle, ça va être compliqué de s'en remettre. Ah! Ainsi que le fameux boss de la semaine dernière, et oui, le fameux. Merde! Ah bah, je suis mort. Ah, c'était moche. C'était moche. Vous êtes mort, fin de la partie. On va recharger, j'ai hâte de... Bon, l'avantage par rapport à la semaine dernière, c'est qu'on a la vie qui va se régénérer au fur et à mesure, donc si on temporise, ça devrait aller. Trop tard. Il croit que j'ai tué Volnest. Merde. C'est de ta faute. Tu joues trop, petit soldat. Si on temporise, ça devrait être bon. Pour récupérer de la vie. Alors, c'est un sorceleur, donc il jette des potions, des sorts... Il y a des techniques de combat de fou. Merde, je me suis trompé de sort. C'est arme que je voulais. Casse-toi. Il a une sacrée annonce, le petit père. Hein. Bon, là, il est invincible parce qu'il a le petit courant électrique autour de lui. Ça brûle. Il fait quoi, là? Holiday on Ice C'est pas vraiment ce que je voulais comme sort, mais c'est pas grave, hein. C'est ça que je voulais, ça me laissait la possibilité de mettre deux coups. Là, finalement, on aura que la possibilité de mettre un seul coup. Ah merde, ah ça fait pas... D'accord, ça se compense pas. Moi qui pensais que... Enfin, je pensais que... J'espérais que... Différent. Et que... Mais avance. Non, casse-toi. Casse-toi, Rama. Non. Trop tard. On s'est fait des dégâts. On lui a fait très peu de dégâts. Et j'imagine qu'il s'est mis une belle potion d'hirondelle histoire de pas trop perdre de vie. Ah, ça brûle le feu. Arrête. Oh, juste, il galère toujours autant sur ce boss que... quand tu fais le jeu, toujours. Toujours. Ah, puis comme je lis le chat en même temps, j'arrive pas. Il est pénible ce combat, surtout quand je le fais en live, parce que j'ai pas le, je peux pas lire le chat en même temps que je... Parce que sinon j'arrive pas à voir les coups. Il fait des petites gestuelles qui nous permettent de savoir quand est-ce qu'il va lancer un coup ou pas, ou un sort. C'est un combat qui demande d'être concentré. Oui, avec bien sûr, là. Je fais n'importe quoi. Je galère toujours sur ce combat là, toujours. Il y a des combats sur lesquels c'est vraiment random. Hein, le Kairan c'est vraiment random. Les combats... à l'acte 3 je galère toujours par contre.
Vos potions ne font plus effet, c'est formidable. Merde. Pourquoi t'en prendre à des rois? Je ne suis plus sorceleur. Cette histoire est ancienne. Donc tu es devenu bandit? Félicitations. Donc on apprend que l'assassin des rois est un sorceleur, mais il n'officie plus en tant que sorceleur. Merde, m'en doutais, celle-là. Merde, 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 merde. On a presque fini, c'est vraiment con. Oh, fait chier. Il nous reste à peine 10% de la barre de vie. Et là, on a vraiment plus rien, quoi. Il a une putain d'allonge en plus, hein, ce petit monsieur. Tu aurais dû te rendre quand c'était encore possible. Tu te vas bien. Mémoire musculaire. La chasse sauvage n'a pas de mauvais. Merde. Voilà. Un sorceleur et quelques elfes suffisent pour tuer un roi. Tu n'imagines même pas le nombre de personnes qui ont voulu nous aider. Ah bon? Tu crois vraiment qu'ils vont rester bien sages? Les jours d'Yorveth sont comptés. Les autres seront condamnés pour avoir semé le chaos. Alors, pourquoi? Tu étais des nôtres, Geralt. Notre sauveur. Et nous sommes quittes. Ta sorcière se débrouille en magie. Elle pourrait me téléporter en Edirne. Si elle m'écoute, je ne lui ferai rien. Je te retrouverai. Rendez-vous en Edirne. Qu'est-ce qu'il va faire en Edirne? Et voilà, fin du combat. Merci Adels. Ouais, c'était chaud. J'ai tenté le tout pour le tout. Hein, j'ai vraiment tenté ce que je pouvais. Bon, on a quand même réussi, ça va. Que s'est-il passé? Où est-il? Où est le tueur de roi? Parti. Yorveth? Capturé. Mes hommes l'ont emmené à Flotsam. Mais le tueur de roi pourrait le faire sortir de Jôl. J'en doute. C'est Triss qu'il cherche. Ah? Pourquoi? J'ai monté les elfes contre lui, donc il ne peut plus passer par la forêt. Je dois trouver Triss. Alors suis-moi. Ah bah voilà. Alors, dis-moi tout, qu'est-ce qu'on a gagné? C'était une de sacrée bataille. Assassin de roi. Sacrée bataille, tu l'as dit bouffi. Alors montre-moi voir. Écoute là, c'est des trucs par-ci par-là. Rien spécial. Oh, des petites roses. Ah, un coffre. Ah ben voilà comment bien finir un gros combat. Un bon petit coffre. Alors c'est pas fini. Hein. C'est pas fini au niveau du journal. On a pas mal de choses à faire encore pour terminer l'acte 1. La course avec le temps, suivre Roche et sauver Triss. Hein, parce qu'on doit sauver Triss. Parce qu'apparemment il veut kidnapper Triss pour la forcer à le téléporter. Assassin de roi, c'est pas fini cette quête-là. On va voir ce que donne la course avec le temps pour terminer cette partie de l'acte 1 sur Assassin des rois. Les souvenirs qui reviennent, bon, on aura quelques souvenirs qui vont revenir régulièrement. Et la rivière mystérieuse, il nous faudra trouver une occasion pour de voyager en amont de la rivière Pontar. Souvenez-vous que vous pourriez y trouver une autre épave. Ça pourrait être intéressant, ça. Allez, on va fouiller le coffre. Et on aura également quelque chose à faire avec Loredo, qui trame des choses bizarres. Il faut qu'on essaie de comprendre ce que c'est que ça. Ah, hé Vernon, c'est ce qu'on a fait, Triss et moi là-dedans. Ça te dit de faire la même chose, coquinou? Hein, non, t'es pas chaud. Bah je te comprends. On va sauvegarder alors puisque c'est ça. Non je m'en fous de la carte, hein. Non, oui. Quittez la carte, merci, voilà. Sauvegarder, oui, volontiers, oui. Merci. Hop. De la brionne. Oh bah il fait tout nuit. Oh des cadavres d'elfes. Oh des cadavres. Ça veut dire pillage. Bonsoir. Quoi? Il n'y a rien à récupérer, mais c'est ce qu'on a... Ah, si, là-bas, il y a un truc à récupérer. Sur ce cadavre-là. Des orins. 22 orins. Ah, c'est bien. C'est tout?
Alors du coup, ils ont capturé le chef de la Scoyatelle. Ça devrait rendre un fier service à la Téméraire. Il devrait être content du coup, Vernon. Maintenant que nous avons Yorvet, tout va changer. Voilà, ben, c'est 200 orins. Oh ben non, c'est Yorvet. C'est 1000 orins. Non, c'est pas possible. Bon, il va servir qu'un œuf. Avançons. Palalala, palalala. Saute. Bien. Hop. On saute par là. Bien. Apparemment, c'est au pied de la, c'est au pied de la colline, si je me trompe pas. Ouh, est-ce qu'on est parti nous là? Ah non, je dois suivre Vernon. Et Vernon qui a pas l'air de vouloir trop suivre le chemin. Hein. Je sais pas par où il veut descendre de la colline, mais pas par le bon endroit. Tiens, les restes du pont. C'est un pont vachement majestueux. J'ai peine à croire que les Téméraires l'ont construit. Hop, un peu de vie. Ah, tu as perdu ton épée en acier, à ce que je vois. Ah oui, c'est vrai, on l'a récupéré, mais j'ai oublié de me rééquiper. Comme on le perd au cours du combat... On l'a récupéré à nos pieds lorsque Vernon est arrivé dans la pièce et que l'assassin des rois est parti, mais c'est vrai qu'on n'a pas... Voilà, hop, voilà. Tiens, on pourrait se mettre un trophée. Trophée d'Arrakas. Vitalité plus 25, bonus de dégâts des cimes plus 2. Bah oui, tiens, allez hop. Il n'y a pas d'autres trophées, non? Attends, va voir ça. Trophée. Trophée de Kéran, vitalité plus 50. Bah oui. Vitalité plus 15... Oui, mais c'est parfait, comme ça. Ah, ça. Bisous. Voilà. Bon, suivons Vernon, je t'en prie. Après toi. C'était une sacrée bataille. Ah bah, tu l'as dit, hein. C'est quoi ça, là-bas? Ah oui, c'est des œufs d'Andriaga. Oh! Des champignons. Oui, je sais qu'on a battu la plupart des Necker, mais quand même, c'est un peu risqué de s'aventurer dans le marais comme ça en pleine nuit, hein. Coucou. Promenons-nous dans les bois pendant que le lunier passe et le louier. Oh, des champignons. Ah, ça se prend pas. Une grosse amanite de mouche. Ah, ben là. Il était perdu. M'en voir par là. Oh, les feignasses, ils sont tous en train de ronfler là. Quelle entrée triomphante. Ah, tu l'as dit. D'accord. Donc nous on bataillait et eux ils faisaient ripaille. Vive le chanceleur Gérald de Rive et Vernon Roche. À vous, noble seigneur. Et vive Téméria. On dirait que nous avons donné à ce cher commandant une occasion de festoyer. Sortez la viande et les tonneaux de vin, c'est jour de fête. Festoyez, mes seigneurs, c'est moi qui régale. Aucun aubergiste ne vous prendra le moindre sou. À nos héros, buvez, sorceleurs. Excellent. Ah bah, santé. Hourra. Oui, hourra, comme tu l'as dit, drôle façon de boire. Adieu, Vernon. Adieu, et ne t'en fais pas pour notre prisonnier. Nous prendrons soin de lui. Je dois trouver Triss. Peut-être que Jaskier sait quelque chose. Il y a moitié bourré, donc pour savoir où est Jaskier là-dedans... Lui, Gérald l'a étranglé avec une chaîne en argent. Prise de convulsion, elle a rendu son dernier souffle. Qu'est-ce qu'il dit? Et il y a mieux. Je pourrais vous raconter de ses meilleures aventures. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme connerie encore, Geralt, et pour le coup. Pour tout le monde. Le voilà. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Geralt de Rive. Bonjour. Je me suis inquiété pour toi. Oh. Jaskier, j'ai à te parler. Geralt, tu es le héros de Flotsam. Bois, c'est Loredo qui paye. Ah oh bah si c'est Loredo qui paye. Je l'ai bien mérité.
Santé. À toutes les belles femmes. Alors notre femme, notre copine kidnappée, mais c'est pas grave. Ah oui, Triss, j'avais oublié. Elle doit retrouver Sheila dans sa chambre. Voir ce machin. Mégascope quelque chose. Bref, je lève mon verre aux belles femmes. Les femmes devront attendre. J'ai besoin de toi. Allez. J'ai eu la chance de me procurer la clé du nid douillet de Sheila. Ne me demande pas de détails, mais la femme de l'aubergiste est un vrai volcan. D'accord, oui. Rendez-vous à la chambre de Sheila à l'auberge. Coucou Zoltan. Au revoir Zoltan. Et cours, Josiane. Il est temps d'y aller. Aïe, ferme-moi la porte au nez. Montre-moi voir tout ça. Bon, on va sauvegarder parce que ça sent le... Je le sens pas. Voilà. Où peut-elle bien être ? Sheila. Tu sens ? J'ai un mauvais pressentiment. Oh là là, on ouvre la porte. Oula. Ils ont fait quoi là ? Un sacrifice humain ? Ça n'augure rien de bon. Sans blague. T'es un génie toi. Regarde les débris. Il y a peut-être quelque chose. Bon, on va respecter tout ça. Oh, ou pas bon. C'est le garde de Sheila. Aucune blessure. Juste le cou rompu. Le cou rompu. Ce n'est pas son sang. Triss arrive, brise le cou du garde, puis se blesse. Ça n'a pas de sens. Effectivement, Azels, on va finir par avoir un bodybuilder de tatoué sur le cou. Ah non, c'est toujours pas retiré le tatouage, là. J'ai complètement oublié. Ah, puis Triss n'est plus là. Pour le coup, ça va être compliqué. Quel foutoir. Sans blague. Tout est sans dessus dessous. Ils n'y sont pas allés de main morte. Ah, tu l'as dit. Il devait y avoir quelqu'un d'autre. On peut inspecter la porte, non ? Bon, on va inspecter cette chose. Du sang. Beaucoup trop. J'avoue, il me va bien ce tatouage. Hein, du sang beaucoup trop. Oh, après, ça dépend. Oh non, on entend le port de l'autre côté, c'est marrant. Jaskier, regarde. Oh ! Qu'y a-t-il ? Un trou. Quelqu'un pouvait espionner. Derrière ce mur se trouve le bordel. La tôlière a peut-être vu quelque chose. Allons-y. Pas con. Eh, pas con du tout. Allez hop, on va au bordel. Sans bonne expérience pour découvrir un trou dans le mur. C'est pas mal, hein. C'est cher payé quand même, hein. Youhou, c'est moi. Bienvenue, Jaskier. C'est votre jour de chance, tout est gratuit. Non, même vous. Tout sauf les plans à trois. Derrae, voici le sorceleur Geralt. Nous venons vous parler. Qui est la dernière personne à être venue dans cette chambre ? Margot et moi. Margot ? La tôlière. Vous voulez quoi ? Triss Merigold, une magicienne rousse. Elle était à côté. Savez-vous ce qui lui est arrivé ? On n'espionnait pas ? Je ne sais rien. J'ai peur. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je sais que vous avez regardé par le trou. Dites-nous simplement ce que vous avez vu. Le jour de fête inquiétait Margot. Alors elle a décidé de pas faire payer les clients. Elle m'a emmenée dans ma chambre et m'a fait l'amour. C'est là qu'on a entendu des voix. Margot s'est mise à épier et a vu Cédric, cette magicienne. Vous êtes sûr ? Oui. On se battait pour regarder. Quand Margot a bien voulu me laisser jeter un coup d'œil, Triss a dit qu'elle allait voir à qui la reine de glace avait parlé. Elle s'est approchée du miroir et a murmuré quelque chose. Dans un éclat de lumière, un homme affreux est alors apparu devant elle. À quoi ressemblait-il ? À une guivre. Une vieille guivre affamée. Oh, elle a fumé un pétard ou quoi ? Triss est restée pantoise. Et la guivre a dit « Eh ben, on dirait que vous avez vu un fantôme. » Puis, d'un sourire malicieux, elle a... C'est quoi ça ? Ah, Sheila. Ah oui, d'accord, oui. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Comme vous êtes pâle, vous avez vu un fantôme, qu'y a-t-il ? Bonjour, Detmold. Je me demandais à qui Sheila avait parlé récemment. Vous vous espionnez ? Intéressant. Et que cherchez-vous ? Ah, on incarne la petite madame. Que Madigan Senselt, vous savez quelque chose sur les régicides ? Tiens, que Madigan Senselt. Que Manigan Senselt ? Vous voulez rire ? Vous devriez déjà être heureuse que je vous parle. Je dois savoir ce qui se trame. Aidez-moi, Detmold, et je vous revaudrai ça. Vous ne savez rien qui puisse m'intéresser.
Mais vous ne me faites pas franchement envie non plus. J'ai des informations sur Philippa intéressée. Un jour, on se retrouvera face à face. Tiens, sur Philippa. Savez-vous que Philippa a quitté Redania? Oui. Vous savez où elle est? Oui. Mais répondez d'abord à ma question. Très bien. Une seule question contre des informations sur Philippa. Ça me semble parfait. Vous avez quelque chose sur le régicide que Manigans and Celt, à quoi Sheala veut faire son avec quoi Sheala veut faire son remède. Quelles sont les intentions d'Enselt? Quelle insolence, Mérigold, mais j'ai promis. Enselt veut prendre la vallée du Pontard en Aedirne et forcer ce déchet de Stennis à lui jurer fidélité. Le prince Stennis, fils de Demavent? Oui, sans la vallée du Pontard, Aedirne ne sera plus qu'une principauté dépendante de Kedwen. Oui, c'est juste. À vous. Philippa est à Vergen, un village de frontière entre Kedwen et Aedirne. Je connais. Les survivants de l'armée d'Aedirne s'y sont rassemblés, commandés par une fille qui aurait soi-disant tué un dragon. Qui est cette fille? Elle commande un troupeau de paysans, de nobles pauvres et de non-humains. Même le prince Stennis, le fils de Demavend, lui obéit. Mais ils sont insignifiants. Enselt n'en fera qu'une bouchée, il les chassera à coups de fouet. Que fait Philippa là-bas? Je ne gagnerai rien à vous le dire. Vous en savez trop peu. Adieu. C'est tout. J'ai rien vu ou entendu d'autre. Ok. Eh ben tiens, pourquoi pas. Qui est Philippa? Jaskier, qui est Philippa? Tu la connais? Philippa Eilart, une magicienne conseillère du roi Radovid de Redania. C'est vrai que passée ça maître dans l'art le plus abject du monde, la politique. Elle est complètement dénuée de morale et de conscience. Un vrai phénomène. La rumeur dit qu'elle n'est pas en faveur à la cour de Redania. Si c'est vrai, elle s'est sûrement arrangée pour quitter la capitale. Bah, c'est vrai que dans les royaumes du Nord, chaque roi a sa, comme conseillère une sorcière, hein, la loge des magiciennes, a beaucoup d'influence au Nord suite à des guerres qui sont passées il y a pas mal de temps. Jaskier, qu'est-ce que ça nous rapporte? Jaskier, je ne comprends pas bien ce que ça nous apporte. On verra plus tard. Trouvons Triss. Oh bah t'es comique, toi. Avez-vous déjà espionné Sheala? Avez-vous déjà espionné Sheala? Non. Elle lance toujours un sort qui empêche de voir ou entendre quoi que ce soit. Toujours? Sauf une fois. Mais elle s'est juste assise devant ses miroirs et a murmuré « Où es-tu? Où ?» C'est tout. D'accord. C'est fantastique. Alors, qu'est-il arrivé à Triss? Qu'est-il arrivé à Triss et à Cédric? Aucune idée. Margot m'a poussée pour regarder. Mais j'ai entendu des coups et des cris. Puis Margot a recouvert le trou et elle est devenue toute pâle. Elle m'a dit de ne rien dire. On s'est assises jusqu'à ce que le silence revienne. Puis Margot a regagné sa chambre. Je ne l'ai pas revue depuis. Mais j'ai aperçu Cédric tituber dans une allée qui mène à la forêt. Oh, Jaskier, attends-moi là, je vais chercher Cédric. Et Margot, alors? Oui, commençons par là. Ah oui, la pauvre Margot. Le sang de Cédric. Mais Jaskier est arrêté. Il n'y a rien à payer ici. Oh, cool, hein. Suivez la piste de sang pour retrouver Cédric. Hein. Boire une dose de potion chat pourrait s'avérer utile. Ouais. Dans la haine de site de streaming de ma série des connes, c'est vrai notes. C'est ballot. Ah bah j'ai du droit. Oh non. Ah non, c'est le processeur qui est pas content. La petite Margot, elle est au bordel si je me trompe pas. Cette fille était une perle. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bon, il ne manque plus qu'un mutant. Ah bah alors Jaskier, tu cours dans le vide. Quoi qu'il nous va. Allez Margot, elle est au bordel. Elle est pas occupée? Vas-y, raconte. Oh merde. On arrive trop tard. Pourquoi a-t-elle... Qui peut le savoir? Je vais chercher Cédric. Ah merde, elle s'est pendue. On peut la piller? L'aide d'adieu de Margot. Qu'est-ce que... On va voir dans l'inventaire ce que c'est que ça. Je saurais jamais si Grimsom va renouveler un dîner avec Jane. Pauvre note. Lettre d'adieu de Margot. Je me rends compte qu'il n'y a plus d'espoir. J'attends la marche de soldats armés dans les étages et le fracas de poings de fer frappant à ma porte. J'avoue avoir été l'informatrice d'Yorvette, mais jamais je ne révélerai le nom de mon messager.
Bernard Loredo n'est qu'un vulgaire porc répugnant et j'aimerais que quelqu'un le saigne comme la bête immonde qu'il est. J'avoue avoir souhaité la mort de tous les odieux spécimens ayant franchi le pas de la porte du bordel pour assouvir leurs envies pour ensuite rentrer chez eux et frapper leurs femmes et engloutir nombre de bières. Je hais cet endroit et je me réjouis de l'abandonner bien que la manière soit quelque peu différente de celle que j'avais imaginée. À vous qui lirez cette lettre, sachez que je me contrefiche des idéaux de la scoyatelle. Je veux votre mort, c'est tout. Margot. Ah ben dis donc, moi c'est clair. Ah bah du coup, terminée la disparition de Margot. Oui, bah tu m'étonnes. Hein. Oh, on pourrait piller ses coffres, elle n'a plus besoin de ses affaires. On peut lui prendre sa robe et tout, on pourra leur vendre. Non. C'était qui ce Foltest? Celui qui est mort? Celui qui voulait qu'on l'appelle papa? Non. Démolis-lui la femme! Je sais pas. Alors. Cette fille était une perle. On va partir à la chasse à Cédric. On va chercher Cédric l'elfe, c'est le dernier témoin qui reste. Bon. C'est parti. Il y a les traces de sang. On voit par là, on va prendre une potion de chat. Ça me permettra de bien de révéler les traces de sang qui traînent. C'est une des caractéristiques de cette potion. Outre voir dans le noir, elle nous permet depuis le deuxième opus de voir les traces de sang sur le sol. Alors ça vaut pas les mécaniques du 3, mais c'est pas mal quand même. Petite potion. Alors, potion de chat. On a une sacrée perlée de potion de chat, disons. J'ai dû me gourer en faisant de l'alchimie, moi. Bim. Mais où Cédric? Quoi, c'était censé être où est Charlie? Oui. Sacré Azel, ça. Oh là! Oh, on voit vos intestins, vos cœurs. Oh, vous allez avoir une crise cardiaque bientôt. Ouh, vous avez bien mangé. Ah, je vois que vous n'êtes pas vraiment un homme. Bon, allez hop, on avance. Tasse de champ ici. Ça saigne par là, ça saigne par là. Ils ont tous les mêmes couleurs, qu'ils soient endormis ou actifs, c'est bizarre ça. Toulou-doulou. Bonjour les filles, ah du sang par alors, là. Alors Cédric, où êtes-vous? Sang par là, sang par là. Non, il est parti loin. Ah, par là. Tu paieras pour tes crimes, sorceleur. Attrapez-le. Qui? Quoi? Mort aux humains. Vous êtes sérieux là les filles? Oh merde, quel con. Du coup, on a foutu du sang partout, c'est fantastique. On va récupérer une petite bourse quand même. Hop, on les voit moins bien en noir et blanc comme ça, des épées. Super, donc il y a du sang partout. Ah, il y a du sang par là, on va voir. Ça saigne par là, ça saigne par ici, ça saigne encore par là. Ah, il y a plusieurs pistes de sang là. Je crois qu'il a dû vouloir aller dans des coins, se dire non, finalement non, par là aussi. Et là, finalement non, c'est ça. Il est allé par ici. Un humain, je dois revenir sur le sentier. Ah oui, d'accord, je me suis garé. En plus, on peut même pas les piller, c'est scandaleux. Ah, il y a une trace de sang qui va par là. Ici manifestement. Oh, il y a une troisième piste qui va par ici. Il perd beaucoup de sang. Le temps presse. Mais bah 2 secondes. Est-ce qu'il est à cette andouille? Ah. Il y a de nouveau du sang par là. Super, on a retrouvé sa piste. Il a ralenti peu à peu. Il ne doit pas être loin. Ok.
Par contre, si on a la cinématique comme ça, ça va pas être pratique. Ah, du sang massif là-bas. Les Scoia'tael ne chôment pas. Ce gars ne m'aidera pas à trouver Cédric. Bon, y a rien à piller. C'est une tâche de sang par là. Ah, la piste reprend par ici. Oh, on peut piller un buisson. Hop là. On va sauvegarder. Oh! Kidmil, Quinblade, je n'ai plus mal. J'ai toujours voulu mourir parmi les arbres. Cédric, qu'est-il arrivé? Triss a demandé mon aide. J'ai tué le douane qui gardait la porte, et nous sommes entrés. J'en ai tué un autre. Je sais. Où est Triss? Un sorceleur nous a attaqués. J'ai tenté de protéger Triss, mais il était trop rapide. Il l'a frappé avant qu'elle ne puisse lancer un sort. Il savait comment se battre avec une magicienne. Puis, il lui a ordonné de mettre en marche le mégascope. Il voulait se rendre en Aedirn, près de Vergen. Triss a dit que c'était de la folie, qu'elle n'avait pas les coordonnées. Il lui a lancé un regard menaçant, et il a dit « Tu y vas la première, alors tu ferais mieux de t'appliquer. » Puis j'ai perdu connaissance. À mon réveil, ils étaient partis. J'étais à l'agonie. La forêt m'a appelé. Pourquoi vous en êtes-vous mêlé, Cédric? Et vous? Parfois, on n'a pas le choix. Je vous ai parlé de mes visions. C'est pour ça que je bois autant. La vodka, ça m'aide. Je ne vois rien. Je ne sens rien. Cédric, calmez-vous. Mais j'y vois clair maintenant. Vous devez retrouver la mémoire. Vous comprendrez alors qui tue ces douanes couronnées. Et pourquoi? Comment la retrouver? En Aedirn. Dans un lieu sali par la magie noire, où les fantômes des défunts livreront une grande bataille. Sauvez leur âme, et vous retrouverez la mémoire. Quoi? Dans un lieu noir, et où il y a que pas mal de batailles en Aedirn. Depuis le conflit avec Viduka. Que se passe-t-il? La forêt. Je sens une présence. Ils viennent vous dire adieu. La forêt. Va fail, Quinblade. Adieu. Et c'est ainsi que l'elfe revient à la nature. Geralt, où étais-tu passé? Le tueur de roi, bon sang. Je le tenais. C'est enfui ? Téléporté en Aedirn. Quoi ? Comment ? Il a forcé Triss à lancer un sort. Merde ! Roche m'a envoyé te chercher. Nous partons. Il a de nouvelles informations. Les Scoia'tael prépare un gros coup. Quoi ? Quels sont les plans de Roche ? Que manigance les Scoia'tael pour commencer ? Que sais-tu au sujet des Scoia'tael, Zoltan ? Ils veulent libérer Yorvet et les autres. Ton aide sera cruciale. Depuis quand es-tu un Scoia'tael ? Ce n'est pas si simple. Il les emmène à Brakenborg, une prison pour les non-humains, érigée par la haine des humains. Les Scoia'tael se méfient de toi comme de moi. Mais tu peux changer ça. Je vais discuter avec les uns et avec les autres. Tiens, quels sont les plans de Roche avant? Que manigance Roche? Il a pesté contre Loredo, donc ça doit concerner le gouverneur. Quelque chose d'important. Ok, je vais discuter avec les uns et les autres. J'irai leur parler. Peut-être que Roche ou les Scoia'tael seront enfin utiles. Ah oui. Une nouvelle étape de quête, la course avec le temps. Allez parler à Van Roche dans ses quartiers. Avec la quête au croisement au niveau supérieur. Est-ce qu'on peut piller le cas? Parce que l'elfe, il aura plus besoin de ses vêtements ou de ses armes. On a terminé une quête, course avec le temps. Ah bah c'est sur le chemin de retour.
Dans la véritable quête au croisement, les Scoia'tael retrouvent Zoltan dans les ruines elfiques. Là, on doit faire un choix entre l'un et l'autre. Bon, alors, c'est parti. On va sauvegarder. Nouvelle étape importante. Choisis la Scoia'tael ou Dimduel. Ah, je préfère plutôt Vandenroche. Les étapes de quête avec la Scoia'tael n'apportent pas des fins qui sont très intéressantes. Reprendre la partie journal. Le personnage de Vandenroche et le personnage de la Temerian de manière générale, de par son histoire, me fascine. Elle a une histoire incroyable. C'est vrai que Roche a la classe. Ah oui, hein, Roche, Vandenroche, une sacrée classe. D'ailleurs, dans notre campagne sur Crusader Kings 2 du vendredi, enfin qu'on fait actuellement le vendredi, j'ai tout fait, j'ai même mis une pause dans le jeu au niveau des complots pour tuer la personne qui détenait Vandenroche de façon à pouvoir le faire venir et le rendre titulaire. Je l'ai fait compte avant qu'il ne meure, c'est dingue. T'aimes pas Roche, Imduel? Moi j'adore Roche. J'adore ce personnage. Son histoire et sa biographie est fascinante. Plus que celle de cet elfe dégénéré qui a des idées vraiment très exotiques. Il me fait penser aux gens du Front National. Il a des idées beaucoup dans la bouche, rien dans le froc. Le jour où ils seront au pouvoir, ils feront pas grand chose, parce que si jamais ils appliquent leurs idées, ça sera la ruine de l'économie. Là c'est pareil, lui ses idées c'est exterminer tous les douanes, sachant que il a pas de projet politique derrière, il n'y a pas de projet constructif, c'est juste de la vengeance l'idée quoi, c'est ouf. Il a pas toujours été comme ça, n'empêche, le chef de la Scoia'tael. Mais il est devenu Maboul. Pour une raison inconnue d'ailleurs, parce que le changement de ce personnage est un peu bizarre. Assassin de roi, mais bon, Sapovski qui a décidé ça. En croisement, Vandenroche. Bon, de toute façon, d'aller voir les deux. Assassin de roi, nouvelle étape de quête, bon, rien de plus. Les souvenirs reviennent, rien de plus. Bon, on doit aller parler avec les deux parties. C'est parti. La cacarte, d'où doit-on aller? Donc, dans le quartier général des Stries Bleues. Et touk 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 touk. Et puis chez les autres. On va commencer par le quartier général des Stries Bleues. Ah ouh. Ça serait bien aussi d'améliorer notre personnage, un cher personnage. Art de l'épée, on n'a pas beaucoup développé l'art de l'épée. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous propose ici. Réduction des dégâts subis, blablabla. Violence, dégâts à l'épée plus 5%. Ouais. Et sinon, niveau signe, on nous propose quoi? Intensité des signes plus 1 ou. Signe d'igni amélioré. Ah, une plus grosse portée. Bah, je sais pas qu'on tient. Hop. Alors, on va développer ça. Super. On n'aura jamais assez de talent pour développer tous les arbres, hein, donc on a sacrifié déjà l'arbre d'alchimie. L'arbre de l'épée, on le développe pas forcément beaucoup. On va développer au maximum la magie, un petit peu l'épée. Hop là, un peu de santé. J'adore les hôtels magiques. Allez, fonce! Forêt voisine de Flotsam, ok. Une sacrée protection. Allez, on fonce. Voilà, parfait. Bon, allez hop, zoup la boum, on ouvre la porte. Ah, il faut que je regarde mon retour vite fait, je me suis rendu compte qu'il y avait encore la ligne avec le TS. Faut que je supprime tout ça, faut que je mette à jour tout ça. Viens par ici. Flotsam, quartier des non-humains. Oui, oh, c'est encore la fête. Oh, c'est la fiesta. Bonjour madame. Ah, j'espère arriver à travailler aujourd'hui. Ah, coquinou. Bonjour le toutou, bonjour madame. Maudite journée. Oui, enfin, une maudite nuitée surtout pour l'instant. Bon, c'est encore la teuf. On va prendre un raccourci. Oh, des géraniums. C'est toujours la fiesta, ça change pas. Ah non, c'est plus la fiesta. Ah, ils ont dû ranger, ils sont tous partis dans. Vernon, j'attends à l'intérieur. D'accord, allons-y. Pourquoi j'ai éteint ça? Nez de bœuf.
sauvegarder avant de faire des bêtises. Eh, hey, coucou Sin. Ah bah au revoir Sin. Bon, coucou Vernon. Alors, tu as réussi à l'attraper? Leto s'est enfui à Vergen, en Eidirn. Il a forcé Triss à les téléporter là-bas. Bon sang, il s'est fichu de nous. S'il veut jouer, il va le regretter. Tu as des choses à me dire? Loredo a un accord avec Kedwen. Salaud! Ce marchand qui vit chez lui est un agent d'Anselt. Pour quelques pièces d'or, le gouverneur a promis de soutenir les troupes de Kedwen en cas de conflit. Et alors? Cet espion, je veux lui tirer les vers du nez. Que le gouverneur Loredo soit condamné à mort. Roche, on doit appareiller en direction d'Eidirn. Je ne partirai pas avant d'avoir réglé cette affaire. L'espion sait peut-être quelque chose. Je ne serais pas surpris si Anselt de Kedwen était derrière tout ça. Très bien, faisons à ta manière. Ok. On a peut-être une chose à régler avant. Si c'est ce que tu veux, occupons-nous de cet espion. Écoutez attentivement, je ne le répéterai pas. Notre première cible est un espion de Kedwen, Arnold Maliger. Je le veux vivant. La deuxième est le commandant du comptoir et un traître pour Temeria, Bernard Loredo. Celui-là peut bien mourir. Arnold quitte rarement la résidence, c'est donc là que nous frapperons. Nous entrerons grâce au remarquable talent de Sin et aux habitudes de Bernard. Arrête de l'appeler par son prénom, ça m'aurait pile au plus haut point. Comme tu voudras. La maison de Loredo. Au premier étage, quartier des invités. Gérald a jeté un coup d'œil. Patrouille régulière. Deuxième étage, appartement des gardes du corps. Ils se prennent pour des guerriers durs et puissants, mais ils ne sont bons qu'à parader dans leur armure colorée. Troisième, l'antre du loup. Lieu de stockage de précieux butins. C'est là qu'il dort, défèque et se tripote devant une petite elfette en pierre. N'importe quoi. Les seuls à pouvoir y accéder sont Arnold Maliger, la mère de Loredo, son cousin, et des putains. Je me demande si j'ai toujours ma robe. Après sa ronde autour du comptoir, Loredo fait toujours venir deux catins. Sin sera l'une d'elles. La maison est une vraie forteresse, mais il a fait rajouter un appentis. Sin ouvrira une fenêtre. C'est par là que le sorceleur entrera. Une fois entré, tu devras improviser, Gérald. Mais tu risques d'être surpris. Sin est plutôt bonne comédienne. Zenan et Richard seront là pour vous couvrir. Si les choses se gâtent, attirez les autres fumiers aux fenêtres. Je serai dans la cour avec les autres, prêt à entrer en cas d'urgence. J'ai bien dit en cas d'urgence. C'est tout. Des questions? Non? Alors au travail. Ah bah super, pour la Temeria. Allons-y. Bon, au traître, attendez dans l'allée derrière le manoir de Loredo. Du coup, a priori, je pense que dans le journal, ça a dû changer le... la rivière mystérieuse, ouais. Du coup, ça a immédiatement... Oui, du coup, on a même pas été consulter les Scoyatel, on est directement parti dire bonjour. Ok. Qu'est-ce que vous regardez? En avant. J'aurais bien aimé faire un petit peu de vente avant. Vernon t'attend à l'intérieur. C'est le pompon. Tu vas où, l'ami? Devine, coquine. On va faire un peu de vente avant. Des choses à vendre. On va aller voir là-dedans. Elle est où la petite marchande là? Youhou! Coquinou! Un sacré costume, mais ils aiment bien les losanges. Marchande. Alors, oui, il était temps, on commence à être plein. Parce qu'on va en avoir des choses, hein. On va en piller des choses quand on sera chez le Loredo. Alors, Aconite, on va en vendre. Une. Amélioration d'armure. Plapla, ça porte quoi, hein. Oui, vitalité plus 5, d'améthyste. On s'en fout un peu. On va la vendre. Amélioration de maille. 20, 5, on va la vendre. Armure d'Arakas. Ingrédients alchimiques, on va les garder. Ça pèse pas lourd, 2 kg, ah quand même. On va la vendre. Balise, brillante, on s'en fout, cadre de fer, on va vendre. On peut pas vendre, ah bon d'accord, chasse sauvage, c'est un bouquin, on va le garder. Calidoine, on en vend 11, ça pèse pas lourd, mais bon. On en vend 12, pardon, hop là. Bon, les clés, on les garde, on s'en fout, ça pèse rien. Le collet, on va vendre tous les collets. Hop, bisous, Cortinaire, 26. On va avoir plein de choses à piller chez ce petit copain. Écoutez la robuste. 14-21 et celle qu'on a actuellement. Non, je sais pas. Écoutez la robuste.
côté la supérieure, oui. Mais c'est là, on peut le vendre. Hop. Chronodriag, ok, on peut les garder. Du cuir, moustache, cuir durci, on le vend aussi. Ça, on garde. Comme dit-elle, j'aurais bien aimé. Corneke, on garde. Les dagues, on les donne. Dandeke, on les garde. Les annales, plus il y en a, plus il est potent. Tout ça, on va le garder. Sens de mort. Fichier, on les garde évidemment. Les formules, on les garde bien évidemment. Ça reste pas lourd. Fragment de mécanisme, jet quête. Ok, griffe de l'équerre. Potion d'hirondelle. Oh, ben, 12, on va les garder. Alors, touc 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 touc. Lettre de sauf-conduit, tout ça, tout ça. Minerai d'argent, des minerais météorites, on garde aussi. Mucus, mutagène d'amélioration. Oui, mutagène de concentration, de vitalité, super, vitalité supérieure. Bon, on va l'utiliser classique. Tac tac tac. Ordre soldat, osmose, poison de riag. Ah, voilà, des choses à pouvoir vendre là, enfin. On va vendre 2. Pétale de myrte blanche, on va vendre 5, c'est parti. Dragor, on va en vendre 2. Ah, comme quoi cueillir la moindre petite plante qui traîne, c'est quand même. C'est pas vrai. C'est quand même vachement utile. Ça fait quelques auras, mine de rien. Oui. Les runes. Voilà, 15 000 runes. Bon, on va les garder quand même. Ça peut. Ça, ça, ah, ça s'en vend bien quand même, hein. Mais on va en vendre une, sans dire que. Alors, centre Falca, schéma, on les garde. Comment ça, on a deux fois les schémas d'amélioration de. Pour d'Andriag. Ah, ben on va en vendre un alors. Hop. Ça se vend bien en plus. Armure en carapace de Kéran. Ah oui, quand même. Touk touk touk. Tissu de Kéran. Trophée de terrain de Kéran. Blablabla. Trophée de Necker. On va en vendre un. Trophée de Noyeur. Voilà. Vano. Verveine, on va en vendre 4. J'en garde toujours 10 de chaque. Hein, comme ça nous fait les ingrédients. 4 pépins, c'est toujours utile. Les yeux de Kéran, bien sûr. Les yeux de Necker. Pourquoi des dragons. Épée de Creden, 10-13, on va la mettre dans le coffre celle-là. Épée de montagne bleue, on la vend sans problème. Une fois, deux fois, trois fois, je l'ai vendu. Épée long gros buste, tiens, 13-18. Ouais, non. Étoile dansante, pourquoi pas nuage aussi pendant qu'on y est, voilà, parfait. Ben voilà. On va descendre dans notre petit coffre pour y ranger quelques petites choses. Moi, j'aime pas Roche, oui, je dis deux fois la même chose. Bravo. Notre coffre, stocker, récupérer. Alors on va stocker des trucs. J'aimerais stocker. Il y a des clés, je vais les garder, c'est pas grave ça. Tac 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 tac. Les ingrédients rares, on va les garder. Stocker, oui les 8. Essence d'eau, on va les stocker les 8 aussi. Embryon Driag, on les stocke aussi. Purée, oui, ça fait un moment que je l'ai dit que je la mets pas dans une duel. Mais... Des fois, je relis, j'ai l'impression que c'est un nouveau, une nouvelle phrase et je lis quand même. Vous avez l'habitude à force. Huile, 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 c'était féodal, oui. Mandat d'arrêt, les minerais, oui. Bon, on peut le stocker les minerais, on n'a pas besoin de les garder sur nous. Hein, c'est pas des porte-bonheur non plus. Voilà, allez, bisous. Est-ce qu'on a les mutagènes pareil, hein, on peut les ranger. Marquer, ça passe pas bien lourd. Ordre aux soldats, blablabla. Les runes, on va pas les garder sur nous, ça pèse pas super lourd non plus. Les schémas. Du tissu, genre. J'ai dit ce tissu sur moi, hein. Bah écoute. On va les stocker. Alors, trophée d'Arrakas, on stocke, on stocke, on stocke, on stocke, on stocke. Voilà. Sud Kéran, on stocke aussi. Poids, mais 0,1 de poids en moins, c'est toujours ça, Odiazel. Oui, c'est vrai. Ça peut toujours être ça de moins. Faut d'un drôle de Liag, Azut Kéran en garde, je pourrais les consommer en faisant une potion panne d'alertance. A propos des dragons, Verveine, je donne un casse de Necker. Ah, ça je vais le garder aussi. Et ben voilà, je crois que c'est bon, j'ai tout rangé, hein. On a tout rangé. Bon, parfait. Oui, quoi, vous avez raison quand même. Voilà. Les petites clés qui ne servent à rien, on peut très bien les. Alors, les clés, coucou les clés. Clé de la poste royale, clé de Cine. Oh. Rien à piller. Bon, il nous manque. Non, des saucisses qui pendent. Disons, ça fait plusieurs. Ça fait longtemps qu'il vomit ici. Voilà.
Bon, prête à les piller chez Loredo. C'est parti. On s'est fait de bonnes poches comme on les aime. Pendant que c'est la fiesta, que tout le monde est à moitié torché, essaie de rentrer chez lui tant bien que mal. Et qu'il y en a qui font des biforts manifestement. On va en profiter pour des biforts des after pour le coup. On va en profiter pour aller mettre aux arrêts Loredo le traître maintenant qu'on a les preuves que c'est un traître. On va passer par le derrière. On va passer par la porte d'entrée, on s'en doute bien. Votre char vous attend. Les bons esprits de cette tour vous guideront et vous protégeront. C'est ça, oui. Alors, montre-moi voir. Écoute à la supérieure. Non. Oh, pardon. Je viens de dégommer un chat. C'est pas fait exprès. Petite potion. On peut pas méditer ici. Ah bon? Faut que je sois où? À 15 km, c'est ça? Alors, on va prendre une petite potion quand même. Pauvre chat, oui, j'avoue le pauvre. Alors, utilisez une potion. Hirondelle. Yahoo. Bisous. Allez, glou 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 glou. Glou 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 glou. Et on va terminer la dernière chose qu'il nous reste à faire, s'occuper de Loredo. Ah, parce que sinon, Roche ne veut pas nous suivre. Donc on s'occupe de Loredo, comme ça Roche sera d'accord pour qu'on parte en Edirne pour chasser cette obscure enflure qui a assassiné le roi nous faisant accuser à sa place. Changement d'ambiance. Il saute. Voilà, c'est bien. Oh, pipi un truc. Comment déjà s'alourdir. Bon, retraite. Tu veux jouer à cache-cache, c'est ça? Débarrassez-vous d'Arnold. Schwarzenegger, c'est ça? Allez, ma jolie. Je sais que tu aimes que je t'attrousse. Bim! Allez, fais dodo. Trouvez Hélène. D'accord, on va trouver Hélène. Hélène, oh, belle Hélène. Dis-moi où tu es cachée. J'ai pris la bonne épée au moins. Oui, j'ai pris la bonne épée. Non, pas vraiment. Non, non plus. Merde. Je crois que j'ai un petit peu abusé. Hein. Oui, non, je préfère. Vous savez, je préfère je préfère rester discret. Hein. You, le jeu, fais pas le con le jeu, hein, merci. Dans retraite, là, merci. On va changer celle-là. Hein. Je préfère aller discret. Hélène est dans le poirier, hein, belle Hélène, le Scran. Oui, j'avoue. C'était la blague de Scran. Où es-tu? Tu veux jouer à cache-cache, c'est ça? Je vais te trouver. On veut jouer à cache-cache? Trouvez Hélène. On va sauvegarder. Oh, mais c'est pas possible. Je vais lui demander de faire l'étourdissement. Et ce con, pas moyen qu'il m'étourdisse les gardes. Peut-être un petit peu nombreux là les mecs, non? Ah.
Allez hop, coupe j'arrête, coupe dans le cou. Ah là super, les deux d'un coup. C'était cadeau. Ah ben disons. On récupère toutes les épées, on va être alourdi en 2 secondes. Bon bah du coup on a nettoyé la zone hein, pour le coup. L'incarnation de la discrétion, oui j'avoue. Moi qui voulais la faire discrète, c'est un peu râpé hein, pour le coup. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Côté discrétion, c'est mort. Et je pense que Roche sera pas trop content qu'on a dégommé pas mal d'unités témériennes juste pour faire le travail quoi. Et en plus, c'était inutile. Ah, c'est là, parce qu'au final, ça ne nous apporte rien de spécial. On a juste dégommé des gardes, voilà, c'est magnifique. On a alerté toute la population avec ça. Ah, il fait tout le nuit. J'ai comme la légère impression que pour passer en mode discret, ça va être compliqué. Ils m'ont détecté, ils sont sérieux à travers les murs, les mecs. Non, mais ils sont forts là, y a pas à dire. Hein. Allez hop! Aïe! Allez, crame un coup! Super, bah c'est formidable. C'est bon, on peut piller maintenant, oui. Oh bah super, on a la clé de l'entrepôt. Efficace et pas cher. Le bois, on s'en fout, ça rapporte pas grand chose. Les épées, par contre, c'est intéressant. On va le charger, hein. On va arriver chez le marchand avec 5 épées, enfin avec 50 épées, il va se demander d'où est-ce que ça vient. Sauvegarder. J'aurais peut-être dû me débarrasser de tout mon attirail. Bon, on doit rentrer dans l'entrepôt, c'est par là. Est-ce qu'on peut rentrer dans les petits entrepôts minuscules, là, histoire de piller un petit peu, vous voyez, ce genre de choses. Hé, hey, bonjour Hélène. Vous êtes l'ami de la nouvelle ? Où est-elle ? Le commandant l'a emmenée à la tour. Faites vite. Comment le savez-vous ? Elle était pas comme nous. Une catin en reconnaît une autre. Je me doutais donc qu'il se tramait quelque chose. Avant d'être emmenée, elle a murmuré « Fenêtre dans la pentille ». Quand cette ordure est partie pisser, je vous ai vu grimper au mur. Il faut que j'attrape le rideau. Quand il s'envoie en l'air, personne n'entre. Seule sa mère a les clés. C'est l'amour qui vous fait prendre tous ces risques ? Mais oui. Où est la mère ? Au sous-sol. Elle distille du fistec. Merci. Maintenant grimpez au mur et fuyez. Si un homme grand en bleu vous arrête, dites-lui tout. Dites-lui que son plan était ingénieux. Pour un simple d'esprit. Merci. Ah, ça, super. Si vous réussissez à entrer dans la tour, tuez ce fumier. Il mérite une mort lente et douloureuse pour ce qu'il a fait. Ah ouais, quand même. Elle a pas l'air très aimée. Mort aux traîtres, tuer Marietta. Trouver Marietta Loredo dans le sous-sol. Ok, ok. Tiens, ouh, intéressant ici. Ah bah oui, on a déjà pillé cet endroit. Mais oui, on est déjà passé par ici, je me souviens. On avait déjà pillé cet endroit, bah oui. Donc il n'y a rien de nouveau, quoi. Mais ça part les plantes qu'on repoussait. Des champs pipi, des champs d'oignons. On peut passer par-dessus, je me souviens encore. Quoi de neuf, Nilark ? Quoi de beau ?
On peut piller par là, non? C'est pas possible. C'est pas pillable. Oh, tout de suite. Allez, c'est parti. Pénétrons ce lieu. J'ai faim, je me languis de voir Hammer cet aloir. Ah, il arrive bientôt. À bientôt, c'est relatif. Ah d'accord. Au même moment. C'est de la farine hein, pour les mineurs. Dans 2 mois, ouais. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ah bah, pas grand chose. Oh oh. Super. On les prend toutes ces épées hein, pour pas changer. Oh super. Ah oh, plein de trucs partout. On va sauvegarder. Et je veux de la farine moi aussi. Si t'es sage. Des bûches d'arbres, bien sûr. Hein. J'avais dit que je prenais pas les trucs inutiles genre bûches d'arbres. Mais bon, un orin est un orin. J'espère qu'ici il y a des choses intéressantes. Ah oui, ben je parierai plus. Par là, il y a des gardes à foison. Mais là, il aime qu'on les mette partout, oui. J'aime qu'on me mette. Quoi? Il y a encore d'autres trucs? Pierre élémentaire? Oh, que j'ai fait louper ça, hein, quelle andouille. Allez, on sauvegarde. Et des bisous. Oh, intéressant. Ah mais d'accord. C'est la merde le Renault qui fait du fistec. Ah oui, il ressemble à son fils. Qui diable êtes-vous? Que cherchez-vous ici? La clé des quartiers supérieurs, je sais que vous l'avez. Vous voulez libérer la fille? Vos efforts seront vains. Comme le dit la prophétie d'Itlin, la graine qui vient d'être plantée éclora bientôt. Ferme-la et donne-moi la clé. Au moins c'est direct. La clé. La clé. Où ai-je bien pu la mettre? Allez hop, farine pour tous. Oh putain la vieille. Qu'est-ce qu'elle lui fait là? Oh. Ah bah elle fera plus grand chose. Ben voilà Nilark, hein. Farine. Ah bah c'est bon, nous voulons la droguer, super. Ah bah bien. Maintenant on est drogué au fistec. Fantastique. Elle est discrètement au premier étage. On va commencer par sauvegarder. Hein. Fistec pour tous, les Nilark, ben là tu m'étonnes, là c'est vraiment fistec pour tous quoi. De l'huile, poussière d'améthyste, plein de trucs. Allez, plein de trucs, ça se revend. On en est où niveau inventaire là qu'on rigole un peu? Ah on a encore un peu de marge. Et on n'a même pas. On n'a pas encore tout visité. Hein. On peut pas piquer du fistec là qu'on revendrait en contrebande là, non? Du fer, mais c'est du fistec moi que je veux, hein. Ça se revend ça. Oh la vieille, elle a un petit lit. Hein. Bah, elle doit bien avoir de l'argent. Ah, à 4 orins, oui d'accord, elle est mal payée. Et on s'en fiche, c'est un ingrat. Hein. Il donne pas grand chose à sa mère. Hein. Du tissu. Bizarre comme statue. Ça y est, on est plus drogué. Bon, magnifique. On va pouvoir sauvegarder. On va sortir les épées vraiment au cas où. Je ne sais plus comment.
Alors, on va regarder quel c'est. Je me rappelle plus de leur cycle. On va regarder comment qu'il bouge, le petit père. Le fistec ou la technique pour buller du gaz. Voilà. Oh bah d'accord. Ah, il va violer Sine. Ah non, nous d'abord. Hein. Ah bah, faudrait que tu résistes un petit peu, ma belle. Hein. Porte déverrouillée. Super. Merde, ils m'ont coincé. Justement ce qu'il faut pas. En douce. Ok, super. On a rien d'autre à faire, non c'est bon. Puis où il touche les seins alors qu'elle en a même pas. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, il fait ce qu'il peut avec ce qu'elle a. Il y a rien d'autre à piller, genre des preuves comme quoi c'est un des coupables. Non, on s'en fout, on a déjà les preuves. Enfin, apparemment on a les preuves. Il y avait rien à piller, bon mais à part les cadavres de ce qu'on vient de ceux qu'on vient de dégommer, mais il y avait... En gros on a fait des tours pour rien, hein, c'est fantastique. Ah bah si, lettre de Bernard Loredo. Trouvez une occasion de voyager en amont de la rivière Pontar, c'est au niveau que vous trouveriez une autre épave. Ok, ok. Des épées. Encore des épées, toujours des épées. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Bon, elle se fait violer en haut, mais c'est pas grave, on a le temps d'attendre. Elle patientera, hein, elle prendra son bal en patience. Inventaire. La pauvre. Lettre de Bernard Loredo. À l'intention de son excellence, Detmold Ban Hard. Ok, Detmold, le roi Detmold, de la dynastie de la licorne. Je souhaite à nouveau vous présenter mes excuses sur le comportement de ma mère. Je l'ai toujours connue folle et je me suis toujours demandé comment elle avait pu faire fortune pour acheter la maison et garantir mon poste à Flotsam. J'espère que l'émissaire de son Altesse n'a pas été trop gêné par ses excès. Je vous jure solennellement que la couronne portée au rouge n'était qu'une mauvaise plaisanterie. De plus, je confirme user de ma situation et de mes ressources selon les désirs de son Altesse Royale, comme convenu lors de notre rencontre. En tant que patriote, je me range du côté de l'opinion de son Excellence. Flotsam ne peut tolérer le chaos et l'anarchie, fléau indissociable d'une période entre deux règnes. Le roi est mort, longue vie au roi, Bernard Loredo, commandant de la garnison de Flotsam. D'accord, donc là on a la preuve officielle que c'est un traître. Elle a écrit une lettre dans son petit bureau. Ah bah tu connais Marcel Putulacci, brigadier-chef et gardien de la paix avant tout. Bah oui, bien sûr. Allez, on va sauvegarder. Hop, on élimine tous les gardes pour éviter tout. Hop, bisous. Parfait. Bon, elle s'est violée en haut, mais c'est pas grave, elle va patienter un petit peu, elle va être gentille. La pauvre, elle est déjà en train de se faire entamer. Primitif toi-même, des orins, 5 orins. Lui on pille, hein, on viendra l'aider plus tard. Il faut une clé. On va voir un peu. On est trop chargé. Ah bah c'est pas grave. Il nous faut une clé. Ah bon?
Elle est bien bonne celle-là. Oh bah tant pis hein. Donc bon, on fait un peu plus de bruit hein. Ça m'est déjà arrivé de marcher des heures comme ça, super chargé, notamment quand on est en Edirne, hein, quand on arrive à Vergen. Ah la Vlacine. Ah bah elle s'est pas fait entamer, bah ça va. Non, c'est un piège. Oh, une larme d'ast. On a failli se faire empaler. Allez, c'est parti, combat contre le commandant de Flotsam, le traître. Alors on est surchargé, donc on peut pas faire de roulade ni quoi que ce soit. Rendre service au monde en attaquant notre mutant. Je sens que ça peut être évident du tout. Tiens, t'aimes ça, t'aimes ça, et là encore. Mais tu mourras quand même. Fais le secours. Alors Loredo, on allait pour ce qui est. Ah bah voilà. On a dégommé Loredo. Eh ben alors Loredo, fais-moi le mariole maintenant. Hein. Vite, détache-moi. Merci Gérald. J'ai entendu quelque chose derrière cette porte. Ok, on l'a libéré, j'espère que c'est pas pour rien. Qu'est-ce que c'est que c'est... Oh bah attendez, avant de parler à cette madame, on va fouiller la zone. Est-ce qu'on m'a déjà fait ce coup-là? Ce jeu vous fait souvent ce coup-là, hein. Vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit, vous vous retrouvez déjà obligé de tout abandonner. Des orins, trois orins. Délivrés, libérés, pour rien et nous casser les oreilles, oui. C'est ballot. C'est un corin, bon, on pourra sauvegarder. Hop. Qui c'est celle-là? Morille. Ne me laissez pas là! Pitié! Vous n'avez pas l'air d'une catin, elfe. Je m'appelle Morille. Quel mois est-ce? Le temps presse. Vous pouvez marcher? Je ne resterai pas là, même s'il faut que je me traîne hors d'ici. Elle ne tiendra pas si on passe par le jardin. Nous devons sortir par l'entrée. Va devant, nous t'emboîtons le pas. Alors, bon, on traite, connaissez Morille de l'extérieur. Quel mois est-ce? La masse. L'automne a commencé. Quand ils m'ont enlevé, il neigeait. Qui est le père de l'enfant? Cet enfant n'a que sa mère. D'accord. Quand j'ai su que j'étais enceinte, s'est fait violer. J'ai voulu en finir. Ne dites pas ça. Je suis Enseid. Allez, allez, c'est une elfe. Ah, il s'est farci une elfe. C'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse, pas parce que c'est farci une elfe, mais c'est parce que... il a violé une elfe, d'accord. Il y avait des petites envies bizarres. C'était un drôle de bonhomme quand même, le Loredon. Bon, en tout cas, on a bien fini sur les différents étages. Je n'y arriverai pas. Je crois que... Elle perd les os. Gérald, changement de programme. Quoi? Retournons à la tour. Il me faut un lit propre, de l'eau chaude, du temps et du calme. Va chercher de l'aide. Oh bah super. Attention. Éliminer les soldats dans la cour. Ah ah. Ah là, on a un petit problème. On va mettre un petit piège dans l'escalier, hein, ça leur évitera de passer. Allez-y, petits enfants, il est temps. Alors attention, parce que là on peut pas sautiller ni quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut faire, c'est crever. Voilà, super. Oh là là. On va chercher de l'aide. Elle perd les os. Ramener un squelette. Voilà, elle perd les os, ramener un squelette. Bon, il va falloir qu'on aille chercher de l'aide. Comme on est surchargé, on avance pas vite. Hein. Ah bah d'accord.
Je vois que c'est la grosse bataille ici. Ça va, on s'amuse les mecs. Oh putain. Je sens qu'on va se faire un petit peu bousiller. Crève. Super. Enfin, j'aimerais être la manette de Mina, c'est vrai. Gérald, je suis en retard. Coquine. Où étais-tu passé, Roche? Promesse tenue. Un petit problème sur la route. Ah, c'est ballot. Ah, du coup, on va voir ce qui s'est passé. Ah d'accord, je vois. Ah, il s'est évadé. Ah non, j'aime pas ça. Ce combat est compliqué, Roche est... Ben, Roche, il a que son épée, quoi. Bon, on va essayer de le battre, hein. On va voir ce que ça donne. Ah oui, il sait rien faire, hein, ni roulade ni quoi que ce soit. Là, il va falloir vraiment faire que du combat à l'épée. Il a dû répondre le petit père. Oh, j'aurai toutes les occasions. Qu'est-ce que je fais moi là? Petite roulade à la noix là. Puis là on sait pas faire des galipettes quoi. Ça. Excellent. Ok Scran, bah écoute, gros bisous à toi. Ah, mais gros bisous à toi Scran, repose-toi bien. Vaincu par un humain. Je vieillis. Et maintenant, considère-toi chanceux. Tu mérites la torture, mais faute de moyens, je te couperai simplement la tête. Tu mourras en guerrier. Je ne regrette rien. Ta mort imminente te fait perdre raison. Je ne regrette pas que ce soit de ta main. Il aurait été stupide de tomber sous un carreau égaré ou pire de mourir de la grippe. C'est vrai. Peste, tu es vraiment verni, tes archers arrivent. Souviens-toi, Yorvet, je t'ai vaincu une fois et je peux récidiver. C'est ce qu'on verra. Oui. On verra. Oh, quel orgueilleux, c'est pour ça que j'aime pas ce personnage-là. Ce fils de garce s'est enfui. Mais je sens qu'on le reverra. Ah, quelle classe. Maudit non-humain. Cessez avec Yorvet. Qu'en est-il de Loredo et où est Sin? Loredo est mort. J'ai sauvé Sin in extremis. Qu'est-il arrivé? Ton plan n'était pas si... C'est un garçon, Gérald. En parfaite santé. Vas-y, balance-le. À qui est cet enfant? À Moril. À qui? Nous avons trouvé une elfe enlevée par Loredo il y a un an. C'est lui le père. Je ne touche pas aux femmes elfes. Tiens, petite bicou. Assez, le temps est compté. Le navire nous attend. Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle s'est donné la mort. C'est pas raté. Elle s'est coupée trois fois les veines des fois que... Pourquoi faire ça? Pourquoi? Ne me touchez pas! Je hais cette ville.
on a un demi-elfe. Apprêtez le bateau à l'appareillage. Et pour l'enfant? On ne peut pas le prendre. Qui pourrait adopter un hybride dans ce trou pourri? Seherim. Remettez-le à Seherim des Draves. Et dites-lui que c'est l'enfant de Moril. Ah bah oui. Sera élevé par un elfe comme ça. Il faut dire que l'assassin s'était bien joué de nous. Il avait enlevé Triss Merigold. Comme si la mort de Foltest ne lui avait pas suffi, il semblait vouloir celle de la conseillère royale également. Sans perdre un instant, j'attrapai Gérald et je l'emmenai en amont de la rivière, dans les profondeurs de la vallée du Pontard. C'est là justement, dans la région nommée le Haut-Eidirn, que les armées d'Enselt, roi de Kedwen, avaient établi leur camp. Ah, roi, voilà le mot-clé de mon plan pour capturer le régicide. Les forces spéciales du roi, puissent la terre lui être douce, Foltest, étaient maussades. Pas une fois durant tout le voyage, on nous servit les blagues coutumières du genre « Combien existe-t-il de manières pour dépecer un elfe ?» Ce qui n'a fait que confirmer ma théorie. L'esprit humain est capable d'imaginer un nombre limité d'horreurs avant qu'une sorte de réflexion ne vienne l'accaparer. Et voilà, nous voilà. On a changé de pays, on est passé en Edirne. Au Edirne, vallée du Pontard, deux jours après le départ de Flotsam. Et voici le roi Hensel de Kedwen, le port. Pour les envahis. Le grand, pour les envahisseurs. Quel carnage! Rendez-vous de négociation avec un abbé seigneur. Partout! Ah bon, l'incarne! Comment Bélissique a-t-elle pu obtenir autant de pouvoir? La vue de crâne vous excite toujours autant, Detmold? Broussez-vous donc! Nous parlons de magie, de sorts déterminants qui font gagner une guerre! Des milliers de soldats incinérés en quelques secondes! Pouvoir, destruction, annihilation! Oui. Après quoi Sabrina Glevisig a été conduite au bûcher et Eidirne a conservé le Pontard. Eidirne n'est plus qu'une carcasse. Elle agonise et aucune révolte paysanne ne pourra changer cela. Vous avez tort, Detmold. Ce pays vit encore, je le sens. Comme un vieil ours blessé et mal en point, même encerclé, il reste fort et dangereux. Ce sera une belle guerre. Mais si... Les barons d'Eidirne ne se dresseront pas contre vous. Vous vous en rendrez vite compte. J'ai tout arrangé. Ah bien sûr. Voilà donc le roi Hensel de Kedwen qui a profité de la mort du roi d'Eidirne pour relancer les sempiternelles guerres depuis la création des deux royaumes d'ailleurs sur la possession du haut Eidirne qui était à la base lors de la création de Kedwen. Ça appartenait à Kedwen. Mais le premier ordre de Kedwen, pour sauver son royaume et pour battre la Redanie et éviter qu'elle devienne trop puissante et lui faire abandonner le nord de son domaine, donc actuellement la Ligue d'Angforce, il a demandé à Eidir une petite alliance pour protéger sa frontière sud pendant qu'il partait en guerre contre la Redanie. Et pour le récompenser de son aide, eh bien, il a donné cette chose. Voilà. Le baron Fellart a toujours laissé entendre qu'il changerait volontiers de camp. Fellart est sans conteste un fumier. Les autres nobles sont saisis d'effroi en pensant à Saskia. Ces paysans et aux rebelles non humains. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas en mesure de se battre. Et le rejeton de Demavend, il a donné son prix? Le prince Stennis doit encore faire parvenir sa réponse, mais Fellart m'a assuré... Je dois le voir, le regarder dans les yeux. Là, je saurai ce qu'il en est. Ah bon, moi c'est clair. Et ça c'est intéressant parce que là du coup, c'est bizarre, hein, parce que il s'amusait à vouloir déclarer la guerre à Eidirne. Pour tout simplement soumettre Eidirne. Donc en gros, il veut briser l'équilibre des forces qu'il y a entre les quatre grandes puissances du Nord et avaler Eidirne et devenir la grosse puissance du Nord. Et qui, à partir de là, c'est clair que c'est menaçant pour les autres royaumes que sont la Redanie et la Temeria, notamment que la Temeria, maintenant, on a plus le savoir, hein, était aussi menacée par Kedwen et son roi Henselt. Bon, allez, c'est parti. On va sauvegarder un petit coup.
Nous saluons très humblement Sa Majesté Enzalt, roi de Kedwen, héritier de la dynastie de la Licorne, seigneur d'Ard Careg, archiduc de Banard et triomphateur de Nilfgaard. Bienvenue en Edirne. Combien voulez-vous ? Oh, pour moi, c'est direct. Sa Majesté doit plaisanter. Je suis on ne peut plus sérieux. Combien pour vos signatures ? Nous pensions à 100 000 couronnes de Novigrad, chacun. Ainsi que le titre de marquis, car l'argent ne fait pas tout. Ouh. Il s'agit du Haut-Edirne. Ses mines de charbon et d'argent, ses fabriques, sa carrière de marbre blanc, la seule de ce côté de la Yaruga, et la principale route commerciale du Nord. Il s'agit de la basse marchie. Consultez la nouvelle nomenclature. En échange, nous jurons loyauté et reconnaissance à Sa Majesté, souverain de ces terres. La moitié ou rien. Je vous donne 50 000 couronnes de Novigrad, sans les titres. De plus, vous fournirez des guides et des vivres à l'armée, et mes hommes occuperont vos châteaux. Vos milices suivront les ordres de Detmold, et ils se mettront en marche pour réprimer la rébellion paysanne. Sire, la populace va détester. Ils ne comprendront pas. En effet, Fellart, ils vous détesteront. Mais vous vivrez à vos aises, ajouterai-je. Refusez, et vous mourrez de ma main ou de celle de Saskia, la tueuse de dragon. Eh bon, moi c'est clair. Sire, nous acceptons vos conditions. Excellent. Detmold, parchemin. Sire, il reste le problème du prince Stennis et de ses droits sur ses terres. Tant qu'il vivra... Tant que le prince vivra, il forcera ses sujets. Alors tuez-le, Fellart. Sire, je ne suis pas un guerrier. Dans ce cas, fermez-la et signez. Oh, c'est clair. C'est radical avec lui. Sire, la tueuse de dragons approche. Drapeau blanc à la main. Parfait. Faites-la entrer. Qu'attendez-vous ? Saisissez ses plumes et signez. Juste par curiosité, à combien se vend le Haut-Edirne aujourd'hui ? 50 000. Et combien auriez-vous demandé, jeune fille ? Roi, ordonnez à ce vautour de fermer son bec avant que je lui enfonce un coq si fort dans l'oignon qu'il chantera de midi à l'aube. Je... Sire, faites-la donc maîtriser ! Vous me menacez, moi aussi ? Je vais aussi y avoir droit. Si ça peut sauver Edirne. C'est une putain, après tout. Detmold n'est certes pas des plus braves, mais il a raison sur un point. Si je vous fais maîtriser, il n'y aura pas de guerre. Soit vous êtes brave, soit très stupide. Allez-vous m'écouter, roi ? Ou allons-nous poursuivre menaces et offenses ? Bah, je vous écoute. Dites ce que vous voulez. Roi, retirez votre armée et reconnaissez l'autonomie du Haut-Edirne. Cessez de persécuter les non-humains et laissez-les quitter votre royaume. Faites cela et vous sauverez vos hommes et votre peau. Quoi ? Du cran, elle. Vous avez du cran, femme. Ah, tu m'étonnes. Mais qui gagnerais-je à part une réputation de lâche ? Enzalt d'Ard Careg ne tournera pas les talons face à une femme, fût-elle tueuse de dragons. Je ne vois qu'une seule issue. Seulement vous et moi, roi. Ici et maintenant, avec ces gens et les dieux pour témoins, je vous défie. Comme au bon vieux temps, quand l'honneur régnait sur ce monde. Le vainqueur gagne le Haut-Edirne. La jeune fille est devenue folle. Défier un roi. Mais sire, c'est ridicule. Nous les écraserons au combat. Il paraît qu'elle a tué un dragon. Elle peut être dangereuse. Pourquoi pas. Mes plans vous concernant sont tout autres. Pourquoi pas, on va toujours essayer de combattre. On verra, attendez, il y aura sauvegardé, on va pas sauvegarder, super. C'est ce qui rend le combat intéressant. Ne me décevez pas, tueuse. Montrez-moi ce que vous valez. En avant. Ah ben c'est parti pour un combat. Ils vont s'affronter dans un duel chevaleresque. J'ai nommé... Enzalt d'Ard Careg, roi de Kedwen, souverain de Kaingorn et Maléor, ouais. Dernier descendant de la Licorne. Et Saskia, la donzelle qui a abattu un dragon. la basse marchie. Que le duel judiciaire commence, devant les dieux. En garde. Sortez votre épée. Ah
Alors, je peux plus marcher, moi ? Allez, avance, catin. Catin des dirnes. Il va y avoir des blessés. Putain, il reste. Ouf. Oh là, salement amoché. Quoi? Arrêtez! Au nom de Crève, Freya et Mélitel, arrêtez! Ah! Ah bah d'accord, on tue les prêtres nous maintenant. Soin là, je me dis l'arc. Mais non. On lui a défoncé le crâne. Ça va pas plaire au dieu ça. Oh attendez, on l'a vaincu, c'est pas du jeu ça. Je pense qu'il n'y aurait pas eu le combat, on n'aurait pas eu ce petit, cette petite joyeuseté. Qui va venir. Je l'avais dit, ils sont à lâche. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est nous. Oh bah bien sûr. Qu'y a-t-il, Zivik? La bibine vous rend débile? Vous ne me reconnaissez pas? Qu'on me pende par les couilles. Qu'est-ce qui vous a pris de l'amener ici, Roche? C'est un sorceleur. Je sais qui c'est, ce gars. Un putain de tueur de roi, là aux portes d'un camp royal. Il n'est même pas ligoté. Doucement, les gars. Ce n'est pas un assassin. Je me porte garant. En parlant de roi, j'ai grand besoin de voir le vôtre. Alors faites la queue, monsieur le chevalier en mission spéciale. Tu penses qu'il me donne? Oh, qu'est-ce qui se passe? Pas un geste, mutant. Que l'un de vous aille chercher le sergent, et tant que vous y êtes, trouvez une corde solide pour attacher le monstre. What? Allons, Zivik, c'est inutile. Où est le roi, déjà? Quelque part dans les plaines, en train de négocier. Hé, hey, tueur de roi, tu déposes tes armes de plein gré, ou je te carre un carreau dans le fion. Quoi? Ah bah, il est mignon, lui. Bouge pas! Bouge pas d'un poil, mutant. Ah oui, il se passe quelque chose là-bas, ouais. Des mains en évidence! Feu! Sur le monstre! Bordel de... Quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? On va voir ce qu'il a vu. Oh bah bien sûr, il fait tomber son roi, lui. Oh bah quelle joie. Il y a eu beaucoup de morts cette région-là, hein, à cause de toutes les guerres qu'il y a eu entre Cadwell et les Dirnes. MG le ciel, non, les fantômes dont parle Cédric, ouais c'est ça, les fantômes dont parle Cédric. Ce sont plus ou moins ceux-là. Ces spectres étaient mes soldats. C'est là. Il y a aussi les Édirniens. Vous admirerez la vue plus tard. T'admirerais la vue plus tard, tu m'étonnes. Fait de chevalier qui est de la mienne.
Ah super, on saigne. Oh la vache, oh la vache. J'ai besoin d'un petit peu de vie. Ah, je vais te recharger. On va crever encore quand on est trop chargé. Pour se défendre. Merde, enfoiré. Ah là 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 là. Le petit problème, c'est qu'on est surchargé et qu'on n'a pas eu le temps d'avoir un marchand entre deux. Donc c'est super, on va devoir faire le... Ça va être très compliqué. Hein. C'est le truc qui est le plus embêtant quand on arrive, quand on commence l'acte 2, parce qu'on est, on a commencé l'acte 2, c'est, on est en train de commencer l'acte 2, c'est bien... Ces spectres étaient les soldats. La première étape. C'est la malédiction de Sabrina. Il y a aussi les Edirniens. Oh merde, quel con. On peut recouvrir mes arrières ou je dois me laisser crever comme une merde? Non, parce que vous me le dites, hein, si je dois crever comme une merde, ça ira plus vite. Après ça te fera perdre 50 euros, c'est trop demandé si on déleste, dit Zelsaim Duel qui demande de qui propose de délester. Il préfère peut-être se molester que de se délester. Ah c'est carrément ça. Oh la vache. Ah mais non mais là c'est pas possible hein. Ah non il faut arrêter, il faut arrêter de déconner là, il y a une couille potager là. Et je dois abattre ça, vous êtes sérieux? Je peux pas laisser faire les. Oh super les trophées. Oui, bah vous avez quoi hein? On va commencer par ça. Puis on va finir par ça, hein. Bisous. Oui, c'est vrai que Mena est un personnage très proche de ses souvenirs, qu'il soit réel ou hypothétique. Que les sous soient réels ou hypothétiques dans le jeu, oui. On va rester loin, hein. On va être mignon, on va rester très loin. On va faire que ce soit le roi Intel qui est mort. Oui, mais on mourra pas le roi Intel. Viens ici. Il est efficace le roi hein. Qu'est-ce qu'il balance lui? Je sais pas ce qu'il balance mais ça a l'air de... Est-ce qu'on peut pas essayer de balancer un... Alors, inventaire... On va mettre quelques petites bombes dans l'inventaire, ça pourrait être pratique hein, accessoirement. Alors, des petites bombes, oui, étoile d'encens. Explose au contact du feu, non, ruche. Blesse les cibles à portée avec des projectiles, ah, ah, mais excellent. Un bisou. Ah bah on peut dire que le roi de Kaidon ils en prennent la tronche hein. Ouh, comme ça on a des points d'expérience quand même. Eh bah dis donc, ça se mobilise pour aider le roi hein. Left 4 Dead version Witcher. Oh. Ah bah ça y est, voilà qui se motive. Attention, tu as dû échanger ton épée en argent avec celle d'acier. Ah oui, c'est possible. Dans la mesure où j'attaquais pas, bon, ça n'avait aucune importance. Ne vous écartez pas. D'accord. C'est le soleil. C'est une éclipse. Quelqu'un lance une malédiction. Des gars qui sortent. Les spectres ne sont vulnérables qu'à l'argent et au sort. Reste derrière moi. Oui. Superbe idée. Ah oh bah super, bah y a cassé ses pains, bah y a cassé, c'est magnifique. Y a qu'à marcher.
sort des gommes les adversaires. Très efficace. Je peux avoir la même. Non, je peux pas avoir la même canne. J'en aurais bien besoin. C'est trop chargé. Merci, quelle révélation. Oh, c'est une vraie promenade de santé. Quoi? Oh punaise. Ah non, pas les specs. Ah non, faites pas, non, non. Il n'y a pas eu de sauvegarde, soyez gentil. Ils sont où ces cons? Ah, ils essaient d'aspirer la force de du magicien. C'est pas gentil ça. Mais il est courageux le roi de Kelvin quand même, hein, j'avoue, c'est. Elle va me tuer. Restez près de moi, ce n'est pas loin. Espérons-le. Alors, on va avancer, hein. Vu que tu n'es pas un magicien, la canne ne sera d'aucune utilité. Bah, dans mon placard, il fait beau en décoration. J'ai jamais dit que j'allais l'utiliser. Ça fera de la déco. Comme de la vie d'animé. Moi je la veux. Regardez, c'est la grosse canne qui fait un sort magnifique. Parce que je pourrais dire à mes invités quand ils verront ça sur le, dans le salon, sur mon armoire à trophées. Sur mon étagère à trophées. Tellement beau. Pourquoi cette bataille qui rime à rien là? Des blasons et des derniers avec les derniers, on sait pas. Étonnant! J'ai stressé pendant une seconde. Quoi? Bouge pas, viens là toi. Spectrunet, à crever. Je suis trop vieux pour ça. Allez là. Bouffons des bois. Non mais où? Et ils sont où? Et ils sont où? Hein, qu'est-ce qu'il dit? Ça y est. Ah. Oh, on est presque arrivé au camp. Allez, courage. Ou presque. On se balade comme ça. C'est un joli musée. Hein. Oh, un pilier. Il est magique ou pas, non? Pas du tout. Ah, des fois que. Hein. C'est mignon comme toi. Hein. On pourra presque croire que ben, c'est juste joli. Quoi. On peut pas sauvegarder, évidemment, ce serait pas drôle sinon. Je pense que je vais quand même me mettre une petite protection, hein, petite assurance vie. Jamais trop prudent, hein, de manière générale. Hein. Pourvu qu'on n'affronte pas un truc de fou, hein, moi je veux pas. Hein. Allez, bougez-vous, oh. On est presque aux portes du camp. Poussez-vous. Je sens comment les portes du camp vont nous faire une petite surprise. Oui, bah oui, ça serait pas drôle sinon. Heureusement, ils ont pratiquement déjà, déjà presque plus de vie. Où êtes-vous? Qu'est-ce qu'il fait? Crève. Bah, crève, en maillot. Obscur, on est deux. Hein? Ils sont où? Et ils sont où? Hein? Non, pas moi, dis donc. Remarquez, si on tue le roi, on règle la guerre, on sera un pacificateur. Allez! Mais c'est bon pour le commerce. Oula! Lui, il a un petit pépin, lui. Hein? Il veut pas s'en aller. On peut admirer la magnifique. Ah, c'est magnifique, cette belle création. Mmh. You. On est presque arrivé au camp, courage. Fouillez. Ah.
Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je vois qu'on est sorti du mirage géant. On a réactivé un vieux sortilège, j'ai l'impression. Il a piqué sur une église, son machin, ou quoi? Ça saccade. Detmold, Sheila, retrouvez-moi dans ma tente. Coquinou. Je veux savoir ce qui s'est passé et comment nous allons y remédier. À vos ordres, votre majesté. Ah oui. Je ne tolérerai aucun retard. Et convoquez tous les commandants de la compagnie. Sur le champ, votre majesté. Caporal, surveillez de près le sorceleur. Il vient de me sauver d'un enfer magique. Je doute donc qu'il veuille ma tête comme celle de Foltest. Mais je ne le laisserai pas pour autant rôder dans le camp comme un chien errant. Occupez-le un moment, puis amenez-le-moi. Sire, je dois solliciter une audience. Plus tard. Je dois d'abord voir mes mages, puis le sorceleur. Ah, parfait. Et moi qui espérais une petite guerre tranquille. Vous savez où je peux me rincer le gosier dans le coin? Roche, vous vous portez garant de ce grand galopin? Il n'a pas tué Foltest ni Demavend, si c'est votre question. Ça, je peux vous l'assurer. Très bien, ça me suffira. Allons-y. Ah ben voilà, prélude de la guerre de Kedwen. Suivre Zivik et persuader le de vous mener, machin bidule. Ok. Battez Adam Pangrat au bras de fer, le maître du bras de fer de Kedwen. Donc toutes les missions secondaires s'activent. Les missions secondaires permanentes, donc les bras de fer, poker au dé et compagnie. Ah ben nous voilà, l'acte 2. On va souvent passer par ici, hein. Audra, hein, souvenez-vous, la première fois que j'ai streamé ce jeu, Audra. Ah ben on va y avoir le droit encore une fois. Du haut de rein partout. Une nouvelle zone à piller. Une nouvelle carte. Croule sous les commandes militaires. Avec une nouvelle zone de base. Pour des particuliers de temps en temps. Ah, intéressant. Donc on va faire le tour du camp et vous démontrer le camp. Comme ça on aura une architecture globale de ce à quoi ressemble le camp. Et puis on pourra faire un peu de commerce. Hein, parce qu'on est légèrement surchargé. Hein. C'est une zone toujours comme ça dans Witcher 2, une base enfin et puis autour il y a plein d'arbres quoi. Le lieu le plus important du camp. Si vous vous ennuyez, jetez un coup d'œil au tableau d'affichage. Il y a des primes sur les monstres. Bon ça change pas, et le tableau d'affichage avec toujours les mêmes petits dessins de Roswell, hein, si vous regardez un petit peu, c'est attentif, dans le panneau de droite, en coin, en bas, dans la zone en bas à gauche derrière, à peine caché par une annonce. Allons-y. Donc là quand il nous picolait, il va nous montrer les différents recoins du camp. La fermerie ici. Salut Fab, comment tu vas? Fermier, tu te commandes parfois. Tu as de bonnes. Tu as des tonnes d'épées courtes à vendre. Ah bah oui, vas-y, tiens. Ah bah oui, super, mais oui, c'est pas con, Azel, c'est comme la mairie a trop de commandes, on va le soulager, on a déjà des épées toutes faites. Quel bordel, Fab. Tu as des soucis, dis-moi tout. Et tu pourrais également passer ton niveau sup. Ah ouais, oui, c'est vrai, on pourra également passer notre niveau sup. Ça pourrait être pratique. Bon, on va attendre qu'il fasse la visite, et puis après on passera nos niveaux, on fera nos petites ventes, tous ces petits bazars. C'est là que le roi organise des joutes. Entre les tournois, on tue le temps avec des combats à main nue. Tous les coups sont permis. Ça paye bien aussi, si on sait à qui parler, et sur qui parier. Excusez-moi un instant, sorceleur. Vas-y, t'en prie. T'as su que maintenant pour une box? Ah pourtant il y a un bot qui diffuse tous les 5 minutes un message. Alors, avec l'adresse. Vous avez du nez, donc si tu veux arriver sur un... Gagner. Mon or. Vous allez parier plus aujourd'hui? Oh. Pour sûr, je repasse donc, plus tard. Le coup j'ai fait tout ce que je pouvais hein, pour t'informer. Tu n'as aucune excuse, le bot était là tous les 5 minutes pour te rappeler l'adresse. Non c'est pas grave, hein, écoute. Il y a la rediff que je mets en plus 7 jours, hein, t'inquiète pas Fab. Vous voyez celui-là? Desserrez un peu ses liens, et il vous sautera la gorge comme un chien enragé. Un Skoyatel de Yorvet? Tiens. Comment l'avez-vous capturé? Des éclaireurs l'ont trouvé dans les gorges blessées. Une petite unité s'y est fait massacrer. Les gars disent que c'était un vrai bain de sang, comme s'ils avaient dansé avec la faucheuse. Le responsable doit être redoutable. Une idée de qui ça peut être? Non. Mais s'ils arrivent à attirer des elfes dans une embuscade, je préfère en rester loin. Certes. Bon, allons voir le roi, Zivik.
Ouais, non, mais de toute façon, quand si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, c'est mis à jour automatiquement. Vous avez une annonce automatique qui est publiée. Sur Facebook, je crois qu'il faut la remettre à jour, mais vous avez une annonce automatique, hein, donc non, vous avez été informé par tous les canaux. Je ne sens plus mes foutus pieds à force de rester debout. Vous ne voudriez pas envoyer la relève? Dans une heure. Ouvre la porte, le roi veut voir le sorceleur. La relève? Ouais, ouais. Ça va bien, et toi? Allez directement à la tente royale. Vous ne pourrez pas la rater. J'ai des choses à régler. Au revoir, Zivik. Au revoir, Zivik. Je serai près de la grande porte. Au revoir. Au revoir. Ah, Preuve de la guerre par le roi Iset. Le roi a dû l'engager pour combattre les spectres. Tu crois? C'est sûr. Voyons ce qu'il fait de cette malédiction de sang. Je parie sur la malédiction. Non, c'est moi. Allez, on va parler au Wineselt. On va passer notre niveau d'abord. Et après, on ira voir le Wineselt. Une fois qu'on aura vu le Wineselt, on ira faire du commerce. Un peu fatigué, Imdwell. Ah, voilà. Je cours pendant un bien. Monte-moi voir. Magie. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, ça. Sindirden amélioré. Ouais, pour le piège, je vais rouler le niveau de Sindirden. Sinon, ça, c'est quoi? Vigueur plus 1. Oui. Peut obtenir jusqu'à 2 alliés temporaires avec le signe machin, du coup ça m'intéresse pas. On aurait quoi ici? Profiter d'effets critiques sur le signe plus 5. Là c'est quoi? Amélioration de glyphes. Réunis les pièges d'Irden interdisant à l'adversaire tout mouvement entre les glyphes. Ouais. Dévoile le signe d'héliotrope. Tiens, activer une fois la jauge d'adrénaline chargée. Permet la production d'adrénaline par l'utilisateur des signes d'accord et contrôle du pouvoir. Toutes les résistances plus 20%, dégâts infligés par les signes plus 3%, production d'adrénaline par une. Intéressant! Ah ben allons-y. Allez hop. On va améliorer le signe d'Irden. Niveau 2. Bisous. Bon, et ce soir, je voudrais parler à... Ah, d'accord, ça marche pas, Vanessa. Imdol. Ou lucidement. Ah, on va enfin pouvoir faire une mutation. Super. Comment ça, pas d'objet? Ah oui, c'est vrai que j'ai rangé toutes mes mutations, moi. Mais c'est pas grave. Et il nous reste encore un talent? Bah, magnifique, flux d'énergie. Effet critique plus 5% sur les signes. Ah, c'est quoi, ça? Ça, je m'en fous un peu. Hop, on va développer ça. Parfait. Du coup, il nous restera, voilà... Encore deux talents à dépenser, on aura le pouvoir ultime. Enfin, le pouvoir ultime. Sens magique et contrôle du pouvoir. Excellent. Flux d'énergie. Excellent. Non, moi pas Vanessa, Nimdol. Touk. Ah bah voilà. Ouais, ça vous garder, il faut que. Allez, Josiane. On avance. Ils ont un joli petit camp. Hein. Et là, c'est le camp kédouénien. Dans le camp des envahisseurs d'Edirne. Hein. On est actuellement au Tédirne, donc en territoire édirnien. Mais là, c'est un camp kédouénien. Les envahisseurs. Ah, ça, c'est la tente du mage. Écrit en alphabet nordique. Avec des Maven. Coucou. Tout le monde vous chasse à vue et vous trouvez le moyen de rester en vie? Impressionnant. Tiens, tiens, tiens. En partie grâce à vous, Excellence. Je vous ai aidé par le passé. J'espère ne pas le regretter. Pareillement. Je ne voudrais pas paraître ingrat. Vous cherchez du travail? J'ignorais qu'on pouvait vous engager pour combattre. Je ne suis pas ici pour cela. Vraiment? Dans ce cas, puis-je vous aider? Que fait son excellence ici? Oui. Quel dommage. Oui, c'est vrai qu'on le voit partout, lui. Dans tous les pays. Quel dommage pour Foltest, et ensuite, comment son excellence ici? Que nouveau la visite de l'émissaire de l'Empereur? Le dernier conflit a laissé des séquelles sur la situation économique des États du Nord. Son Altesse Impériale aspire à la stabilité. Ah, oui. Je me rends donc dans les États en guerre pour proposer une aide financière. Henselt s'en sort très bien, visiblement. Les détails de ma visite sont réservés à l'Empereur et au roi de Kedwen. Ah, bah, d'accord. Son Excellence ne peut-elle pas révéler quelques bribes son secret? Ah, c'est de persuader. Je dois tout savoir. Hop, comme on a atteint un bon niveau, normalement ça devrait être possible. La magie ne vous aidera pas, sorceleur. Je n'y suis guère sensible. C'est dommage. Bon, tant pis. Foltest était un bon roi. C'est dommage qu'il ait fini ainsi. J'ai déjà transmis les condoléances de l'Empereur au prévôt Natalis. Ah, Natalis. Puisque nous parlons de Foltest et de Temeria, des rumeurs circulent sur la mystérieuse disparition de sa conseillère, la magicienne Triss Merigold. Que savez-vous sur elle? Pourquoi cette question, Excellence? On m'a dit que vous vous connaissiez. Ce sont nos affaires.
Sorceleurs et magiciennes, ouais. Ne divulguent pas ce genre d'informations. Je comprends, c'est un sujet délicat. Très bien, j'ai d'autres questions. Si je vous parle de Triss, c'est parce que je m'inquiète. Les mages sont connus pour leur rivalité. C'est vrai. Je me demande si quelque chose peut vraiment les unir. Si son excellence veut bien expliciter. Soit. Sauriez-vous quoi que ce soit sur l'implication de Merigold dans une organisation de magiciennes? Depuis là, on sait qu'elle fait partie de la loge, bien sûr, que vous soyez ou ayez été proche d'elle. Ah bah oui. Pourquoi cette question, là, ses amis? Je n'ai pas d'imagination. Je ne saisis pas ce qui peut pousser l'ambassadeur de Nilfgaard à s'intéresser aux connaissances d'une magicienne. J'avoue. Mes intérêts sont nombreux. L'art, par exemple. Une statuette très intéressante m'a été remise aujourd'hui. Un objet très spécial. Insaisissable. Voluptueux. Il fait réfléchir. C'est vrai. Même un chasseur de monstres ne saurait être indifférent à la beauté qu'il renferme. Oh, c'est bien. Je crains n'avoir guère de temps à consacrer à l'art. Avez-vous d'autres questions, sorceleur? Il se trouve que moi aussi j'ai affaire. Pourquoi cette organisation de magiciennes vous intéresse tant? Certaines coïncidences m'intriguent. J'ai ouï dire que plusieurs d'entre elles ont été vues à proximité du lieu des crimes. En quoi est-ce intriguant? Les rois ont toujours été entourés de mages. L'argent et le pouvoir les attirent. C'est pourquoi je n'accuse personne. J'ai dit que cela m'intriguait. C'est bizarre ça. Et ensuite? Je vous ai vu avec Foltest, et maintenant Enselt. À quand une visite au roi de Redania? Je n'irai pas aussi loin. Radovid fait route vers Lochmuin. Il y est peut-être déjà. Nous nous rencontrerons là-bas. Lochmuin, l'ancienne ville elfique située près de la source du Pontard. C'est un territoire qui est devenu. Pourquoi là-bas? Il faut qu'ils traversent cette territoire. Les mages veulent y restaurer leur conseil. Tous les rois sont conviés à l'événement. Le conseil des mages? Il y a une loge de magicienne, mais les hommes normalement ont été interdits depuis pas mal de temps à former un conseil. Je vous ai vu avec Foltest. Je n'irai pas. Lochmuin. Les mages. Oh ben adieu. Ah oui, les soldats Nilfgaardiens. On les reconnaît tout de suite. Allez, on va passer à notre rencontre avec le roi Enselt. On peut piller la zone tant qu'on y est. Il n'y a rien à piller, c'est scandaleux. Ah si. Ah ah, 3 orins. Voyons, il est roi, il pourrait avoir un peu plus quand même, faut pas déconner. Radin. Et là? Rien non. Ah, hein? Ouh, super. Ouh, des orins. Bon, mais on va sauvegarder, hein. On pile la tente du roi, comme ça, tranquillou, c'est super. Entrez, sorceleur. Soyez tranquille, ceci n'est pas une audience officielle. Ouf. Vous m'avez aidé dans le brouillard, je suppute donc que vous ne cherchez pas ma mort. Ce qui m'amène à vous demander, que cherchez-vous, Geralt de Rive? Eh bien, la tranquillité pour prouver mon innocence, hein. La justice. Ouais, non, la tranquillité. La tranquillité, sire. Je dois prouver mon innocence. Je n'aime pas me mêler des affaires politiques, mais cette fois, je n'ai pas le choix. Répondez clairement et allez droit au but, sorceleur. Ne vous cachez pas derrière votre code déontologique ou les secrets du métier. Je ne suis pas d'humeur à entendre des excuses. Avez-vous assassiné Foltest? Non. Savez-vous qui l'a tué? Oui. Un sorceleur nommé Leto. Vous vous connaissez? Je ne sais pas. Je l'ignore, j'ai perdu la mémoire. Leto a laissé entendre qu'il me connaissait. Peut-être l'ai-je déjà rencontré. Comme dit le proverbe kedwenien, les chiennes ne se mordent pas entre elles. Gros proverbe. C'est très vrai pour les magiciennes, si vous voulez mon avis. Mais trait de digression. De Tankerville prétend que Leto est dans la région. Est-ce vrai? Oui. Que cherche-t-il? Ma mort? Il se cache de Yorvet et de ses Skoyatel. J'ignore ses intentions. Et vous êtes après lui? En effet. Dernière question. Savez-vous qui a fait assassiner Foltest et Demavend? Qui se cache derrière ces tueurs? Je le saurai dès que j'aurai mis la main sur l'étau. Oui. Mes espions semblent confirmer vos dires. J'imagine donc que je dois vous croire. Maintenant, merci. Il reste un problème. Le brouillard et toute cette foutue magie qui retarde ma campagne. Et alors? Mes mages, comme de coutume, se sont montrés parfaitement inutiles. Magie surpuissante par-ci, malédiction retardée par-là, et au final, rien. Je m'en remets à votre lame de sorceleur.
Serez-vous à la hauteur de cette tâche ? Sans problème, mais ça demande de l'argent. Sans problème. Excellent. Levez la malédiction et vous goûterez à ma générosité régalienne. Oui, j'espère, oui. Et même si vous ne parvenez pas à attraper ce Leto, je vous aiderai à prouver votre innocence. Ah, ça c'est je mets Detmold à votre disposition. Il vous fournira les informations nécessaires. Vous êtes dorénavant libre d'aller et venir dans le camp à votre guise. Excellent. Vous pouvez disposer. Dans le brouillard, vous avez dit que c'était la malédiction de Glevisig. Oui. Sabrina Glevisig, une magicienne. Mon ancienne conseillère. Je l'ai fait clouer à une roue et brûler vive. Ah, quand même. C'est alors qu'elle m'a maudit. Moi et ma descendance. Ça remonte à 3 ans. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui a activé le sort, non ? Qu'avez-vous contre Sabrina ? Pourquoi avoir condamné Sabrina, sire ? Est-ce important ? Il n'est pas simplement question de bonne aventure dite sous une tente un jour de marché, sire. C'est vrai. Ni du sort d'un mage novice. Cette malédiction a entraîné une éclipse et appelé des dizaines de spectres. Nous avons affaire à un sort très complexe qui opère à plusieurs niveaux. Cela nécessite des connaissances et des aptitudes incroyables. Lever la malédiction sera d'autant plus compliqué. Si je dois m'en charger, vous devrez coopérer. Par la malpeste, s'il le faut. Alors comment Sabrina s'y est-elle prise ? Vous souvenez-vous de la malédiction ? Qu'a dit Sabrina exactement ? Tout ce qu'elle a dit à l'époque, c'est plus ou moins réalisé. Une étoile ornée de sang déchirera les cieux, et des pièces carrées venues des profondeurs gagneront le cœur des imbéciles. Des pièces ? Detmold en aurait trouvé sur les soldats accusés de trahison. D'accord, donc il y a la sédition en sein même de Kedwen. C'est pas mal comme... bien la situation dans les royaumes du Nord. La malédiction a été jetée il y a 3 ans. Des signes de son activité entre-temps. Mon fils a été tué à la chasse. Ah merde. Rien d'étrange ou de surnaturel à l'époque. Un sanglier enragé lui a sectionné l'artère fémorale. J'ai tout vu. Un accident, ni plus ni moins. Le sort vient d'être activé. Je dois savoir pourquoi. Lors de la négociation, j'ai tué un prêtre de Crève. Rhume. Peut-être est-ce... possible. Moi, je pense que c'est ça, t'as mis du sang sur la roue, machin, et ça a dû réactiver le... C'est possible, hein, je pense. Qu'avez-vous contre Sabrina ? Bah, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Pourquoi avoir... Un an... Les chevaliers bouillaient dans le... Pourquoi avoir condamné... Un an après la paix de Sintra, j'ai disputé le Hoedirn à Demavend. J'ai passé un peu vite. Le général Vandergrift commandait une partie de mes troupes. Il a franchi le pontard et a accepté de combattre sur ce terrain. Du coup, ça a duré jusqu'au crépuscule. Jusqu'à ce que Sabrina prenne les choses en main. Ouais. Des grêlons de feu ont alors inondé le champ de bataille. D'accord. 3000 hommes réduits en charpie sanguinolente et calcinée. Le feu a consumé Kedwenien et Edirnien. Oh, les chevaliers bouillaient dans leurs armures, hurlant leur douleur à la mort. La guerre est affaire d'honneur. Quand des gens comme Glevisig s'en mêlent, ça devient un enfer. Ah oui, d'accord. Ah bah dis donc, pourquoi s'est-elle retournée contre son camp ? Pourquoi Sabrina a-t-elle attaqué les siens ? Une raison précise ? Pas la moindre idée, ni même une piste. C'était ma conseillère, un membre du Conseil des Mages. J'ai dû tolérer ses excès, ses plans et ses scandales des années durant. Elle était loyale ? Ha ! Oui, envers elle-même. Comme toutes les sorcières. Ah bah dis donc. Bon, on sait tout ce qu'on a besoin de savoir. On va pouvoir quitter... On a pris de nouveau un niveau, magnifique. Rien qu'en discutant, c'est beau. Quête terminée, prélude à la guerre Kedwen. On a terminé le prélude, maintenant on va pouvoir commencer les quêtes. 1000 d'expérience, bah, d'où le passage de niveau. Hop, on va prendre tout ça. Hop, on va prendre tout ça aussi. Et puis ben voilà. On va aller voir le marchand. Parlons, je vous prie, chercheur. Nouvelle étape de quête, la théorie du complot, parler à Detmold. Ah ben on ira parler à Detmold, mais ça, ce sera la semaine prochaine. Entre temps, j'irai aller voir le marchand d'ici à ce qu'on se retrouve la semaine prochaine. Je m'équiperai des items les plus intéressants parmi ce qu'on a trouvé. J'irai marchander, c'est pas la peine que j'aille vous montrer ça. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve devant la tente d'Enselt à aller discuter avec Demavend et en apprendre un peu plus encore sur les diverses quêtes qui vont parvenir. Voilà. Là, on a pris une première moitié, l'autre moitié de ce qu'on aura besoin de savoir pour les nouvelles quêtes. Voilà, donc on le saura la semaine prochaine. Donc là où est-ce qu'on en est, hein, on doit chercher toujours Leto, le tueur de Rouen, on sait pas où est-ce qu'il est, on espère la coopération du roi Demavend qui nous a
promis sa coopération et on doit aller voir son magicien qui est censé nous apporter les informations nécessaires pour résoudre les problèmes d'Encel qu'on s'est engagé de régler en contrepartie des informations, et Detmold est censé nous aider aussi à avoir cette fameuse information. Et ça, c'est la semaine prochaine. Passez une bonne semaine à tous, des bisous à vous, rendez-vous sur Twitch si ça déconne pas la semaine prochaine, 21h à minuit pour la suite de la soirée roleplay. Et puis je donne rendez-vous aussi le reste de la semaine pour les autres émissions, des bisous à vous. Rendez-vous sur Facebook, Twitter et sur www.chemunin.net pour avoir plus d'informations, des actus, les annonces. Si vous voulez interagir avec moi, n'hésitez pas. Des gros bisous à vous, portez-vous bien, bonne nuit Fa, bonne nuit Mdel, bonne nuit Abbé, bonne nuit Azels, et puis bien, passez une bonne semaine à tous. Ciao.